pour blanc globaliste corrompu ou du moins blanc qui envie vin exploiter richesse dans pays d'Haïti yo. Qui de complicité avec des oligarques haïtiens que nous considérons comme une maladie qui est le cancer. Qui gon plan pour exterminer tout le monde dans le département de l'Ouest là, une façon pour capable jeune terrain libre pour capable venir exploiter et mes richesses qui évaluées avec des centaines de milliards de dollars américains. Dans plusieurs communes qui dans le département de l'Ouest là. M'a dit monsieur yo, à nous réviser bagaille là. Nous c'est des êtres humains. Même j'avec moun sa yo qui n'a touyé pas pile pas makon nan. Richesse dans le pays d'Haïti, c'est même gens le Qatar qui a alors gagné en pile richesse. Mais il a fait des coopérations avec de l'autre pays qui a expertise dans exploitation exploitation richesse alors minière. Il a des exploiter richesse yo et puis je dis à mes Qatar. On petit cas l'espace qui va même guiter même c'est nos déserts. C'est même de l'eau, c'est même l'homme qui apprend pour construire, t'as qui ça Qatar. C'est même bagalan pour Émirats Arabes Unis qui aurait les Dubaï là. Yo gen gaz, avec du pétrole, et bien yo fait des coopérations avec de l'autre pays, venez de exploiter richesse ça, je dis à mais Dubaï. Par contre, pas personne sur la terre qui pas t'a envie à le passer 3-4 jours dans pays Dubaï. C'est richesse dans sous-sol yo. Dans la mer, qui mette yon dans niveau ça. Mais c'est dirigeant yon tout, qui a une dimension, qui pas dans Zak Malounet, qui pas dans tout le monde, qui pas dans Fébari, qui bout de rôle, qui vont faciliter pour garder tout l'autre pays qui pensait à venir exploiter richesse dans le pays. Arabio, yon dit faut que nous chita, faut que nous ouais. Yon dit l'ensemble, mais ça cap pour ou, mais ça cap pour moi. Et bien, effectivement, coopération ça vous fait, je dis à, mais Dubaï. Les fait dans plusieurs autres pays. Mais pour qui ça s'est approché ça? Que, on sait de pays gagnés par rapport avec pays noyau. Est-ce que cette dimension, autorité pays noyau pas gagné? Ou du moins, c'est respecter ou pas respecter comme moun, en tant que noir? Ça va dire à fond en pile. Mais de fait, faut que nous disons, ils sont vérité que liés. Ou du moins son analyse que nous avons fait, on nous essaie de comprendre. Est-ce que la communauté internationale, là, ou du moins blanc globaliste, qui voulait exploiter richesse dans le pays d'Haïti, est-ce que vous n'avez pas qu'à approche question ça d'une autre façon? Nous prenons le temps de yon ti vidéo qui gen pile vérité là-dedans mais qui viral sur média en ligne yo réseaux sociaux que en pile moun pa prend temps pour faire des analyses pour permettre moun yo comprendre plus ça qui a passé en dedans dossier ça. Nous pral regarder ti vidéo ça ensemble avec bam quelques secondes pour me dire nous que pour me dire moun et alors fanatique Guy Philippe. Le 7, préparez-nous. Bonheur, bonheur. C'est l'information que j'ai. Guy Philippe a pris pour tout bon. M'a demandé tout ancien militaire, préparez-nous. Parce que Guy Philippe a sous sol là. Tout mes militaires, m'a dit nous préparez-nous. Guy Philippe a pris un bloc là. Préparez-nous pour aller recevoir Guy Philippe. Compte Nenel Kassi, Jocelyn Brivère, Camille Edouard Junior, kap fait complot pour oligarque pour Tava, assassiner Guy Philippe. Et m'a dit, genyen yon directeur départemental qui yon fait voye dans le département grand dans ce pays. N'a pas questionné. Citoyen ça. Est-ce qu'on vini pour vin faire? La police dans le département? Ou du moins, est-ce que c'est vous ou vous? Parce que Guy Philippe a pris entrée. Son question. Sauf que son haïtien courrier, autant de créoles, ou en affaire avec des paysans. Et qui fou pour Guy Philippe. Ou en affaire avec des paysans qui enragé pour Guy Philippe.
faites attention. Que vous faites la police qui s'est protégée des vies et des biens. Ça pour comprendre, avant comprendre. Dit Diab bonjour, l'ap manjou. Pas dit le bonjour, l'ap manjou pi red. Mais de fait, grand moun nan pays m'te toujours dit que l'autre vaut nos conditions comme ça, mais c'est doublé canson nan taillou, et puis pour affronter sac devant là. Je dis à peu haïtien, m'a commencé l'émission avec gros bout de tonton information ça que m'bral partage avec nous là. Mais tout d'abord, m'a demandé nous pour nous faire tout haïtien qui quitte caillou dans condition qu'il connaît en babal bandi dans carrefour feuille à nous aider me faire autant de émission ça. Parce que vous parlez d'information. Aidez-moi tout. Faites mission, ça arrive et joigne. Tout haïtien en général. Pour être capable de comprendre effectivement. Assassinat spectaculaire. Nèg avec zam. Kap prend conseil des zones. Tout yé moun. Boule kay moun. Tout pour nous questionner. Pour yon sens bagay la genye. Yon pas kawè sens lan. Eh ben, je dis ya. Moi, vin ba nou secret ya. Vin ba nou vérité ya, à travers ça que m'pral partager avec nous là. Qui t'aime dit tout moun gredans, rete patient, rete confiant. Nous pral gagner effectivement ça que nous besoin. Mes amis, gon danger qui plane sous tête pays ya. Ça nous a kap passé là, li poko anyen par rapport avec ça que nèg yo planifié. Pour yon fait nous-mêmes qui vivons dans le département de l'Ouest, là surtout. Tenez bien. M'a dit nous, chaque côté, nous qui gagnons foyer de gang qui, lourdement armé, gagnent un pile milliard de dollars américains dans sous-sol là. Mais j'espère que haïtiens qui comprennent yon, avant prendre petit temps pour yon tendre effectivement, émission ça jodi. Gon danger qui plane là. Oui, gros danger. Compatriotes haïtiens, yo, m'a pas de nous rester connectés avec plateforme ça. Nous pas gagner information. Ah oui, nous pas gagner bagaille dans main non. Qui t'aime dit non? Tout d'abord, qui t'aime dit pour blanc globaliste corrompu yo ou du moins blanc qui envie vin exploiter richesse dans pays d'Haïti yo. Qui de complicité avec des oligarques haïtiens que nous considérons comme une maladie qui est le cancer. Qui gon plan pour exterminer tout le monde dans le département de l'Ouest là, une façon pour capable jouer un terrain libre, pour capable venir exploiter et mes richesses qui évaluées avec des centaines de milliards de dollars américains. Dans plusieurs communes qui dans le département de l'Ouest là. M'a dit monsieur yo, à nous réviser bagaille là. Nous c'est des êtres humains. Même j'avais moun sa yo ki n'ap touye, pa pile pa makon nan. Richesse nan pays d'Haïti, c'est même gens le Qatar te gen alors gen pile richesse. Mais yo te fait des coopérations avec de l'autre pays qui gen expertise dans exploitation exploitation richesse alors minière. Yo de exploiter richesse yo et puis jodi a men Qatar. On ti ka l'espace qui va même guiter même c'est nos déserts. C'est même de l'eau, c'est même l'homme qui a pris pour construire, tandis qu'il s'est Qatar. C'est même bagalan pour Émirats Arabes Unis qui aurait les Dubaï là. Yo gen gaz, avec du pétrole, et bien yo fait des coopérations avec de l'autre pays, venez de exploiter, richesse ça, je dis à, mais Dubaï. Par contre, pas personne sur la terre qui pas envie à le passer un 3-4 jours dans le pays Dubaï. C'est richesse dans sous-sol yo. Dans la mer, qui mette yon dans niveau ça. Mais ces dirigeants yon tout,
qui a une dimension, qui alors qui pas dans qui pas dans Zak Malounet, qui pas dans tout le monde, qui pas dans fait barrer qui bout de vol, qui ont facilité pour garder tout l'autre pays qui pensait à venir exploiter richesse dans pays arabio, yo dit faut que nous chita, faut que nous ouais. Yon dit l'ensemble, mais ça cap pour, mais ça cap moins. Et bien effectivement, coopération ça vous fait, je dis à mais Dubaï. Les fêtes dans plusieurs autres pays. Mais pour qui ça s'est approche ça? Que, on sait de pays gagnent par rapport avec pays noyau. Est-ce que cette dimension, autorité pays noyau pas gagné? Ou du moins, c'est respecter nous pas respecter comme moun, en tant que noir. Ça va dire à fond en pile. Mais les fêtes, faut que nous disent, ils sont vérité que liés. Ou du moins, son analyse que nous avons fait, on nous essaie de comprendre. Est-ce que la communauté internationale, là, ou du moins blanc globaliste, qui voulait exploiter richesse dans le pays d'Haïti, est-ce que vous n'avez pas qu'à approcher la question ça d'une autre façon? Nous prenons le temps de une petite vidéo qui a une pile vérité là-dedans. Mais qui viral sous médias en ligne yo réseaux sociaux que en pile monde pas prend temps pour faire des analyses pour permettre moun yo comprendre plus ça qui a passé en dedans dossier ça. Nous pour regarder cette vidéo ça ensemble avec. Bam quelques secondes pour me dire nous que pour me dire moun et alors fanatique Guy Philippe le 7 prépare nous bonheur. C'est l'information que m'a gagné. Guy Philippe a prêté pour tout bon. M'a demandé tout ancien militaire yo. Préparez-nous. Parce que Guy Philippe a sous sol là. Tout mes militaire yo. M'a dit nous préparez-nous. Guy Philippe a pris un bloc là. Préparez-nous pour aller recevoir Guy Philippe. Compte. Nenel Kassi, Jocelyn Brivère, Camille Edouard Junior. Kap fait complot pour oligarque pour tava assassiner Guy Philippe. Et m'a dit gagné un directeur départemental qui au fait voyer dans département grand dans pays là. N'a pas questionné. Citoyen ça. Est-ce qu'on vient pour venir faire la police dans département ou du moins est-ce que c'est voyer? Parce que Guy Philippe a pas rentré. Son question. Sauf que son haïtien courrier, autant des créoles, ou en affaire avec des paysans. Et qui fou pour Guy Philippe. Ou en affaire avec des paysans qui enragé pour Guy Philippe. Faites attention. Que vous faites la police qui s'est protégée des vies et des biens. Ça, pour comprendre, avant comprendre. En nous partie émission comme ça. Jodi a. Qui t'aime dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'a attendu nous et ou a regardé nous. Encore une fois, son plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous sur plateforme Panouan qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Déjà m'a demandé ou fait effort pour que vous partagez, commentez, like. Abonnez si vous pouvez abonner. Rentrez dans la famille ça, qui c'est la grande famille Info Berto, eh bien, qui permet tout, comprenez un peu le bagaille. Déjà, je m'abdi ou, bienvenue à bord. En nous tendez, ensemble avec information ça. En nous tendez avec un pile intérêt. Et puis ensuite, nous prenons le fait, une petite analyse, ensemble avec vous. Nous pouvons faire des commentaires ensemble avec vous. Entendez. Pays attendez ensemble avec vous. Et moi-même particulièrement, moi suis candidat au Sénat dans le département Grand-Est. Moi j'ai un collègue Dame Marie qui relait mon samedi. Il dit donc là, une réunion et invité la plaine. Mais on est en cours par rapport à Jean-Moi Bagay, on t'a rien mot à la réunion. Mon invité n'a pas connu, on parle de rôle, dit pas un problème, venez avoir. Je dis qui est-ce qui a la réunion.
et dit que il y a des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements Kapla. Groupe ça, son groupe qui gagne en tête, li, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry, ils ont passé par un consortium à Madrid, okay. Pas fait ou paraître trop. Ils ont besoin de rencontrer des candidats parce qu'ils ont un projet de 50 milliards de dollars sur Haïti. Il faut le passer dans le Parlement. Il a financé les candidats avant l'élection pour qu'ils arrivent. Et ils ont dit que l'offre arrive, c'est là encore qu'ils ont financé parce que votre projet, ça, c'est dans le Parlement pour le passer. Tendez bien, oui, pays, tendez bien. Tendez avec un pile intérêt, tant pris souple. Fremsem, kap tande mwen, kap gade mla. C'est un point qui est extrêmement important. Là, on a parlé de milliards de dollars américains dans le pays d'Haïti. On nous comprend très bien. Mais si ça prend le titre de bagay là qui est extrêmement important pour la République. Et c'est à partir de yon réunion que li participe, qui gen de gros paltos, gros chabrak là dedans, qui vle vin exploiter ressources que nous gagnons en bas de pays d'Haïti, et bien effectivement, qui est-ce qui pour bayo provision légale pour venir exploiter richesse yo, c'est des sénateurs corrompus, des députés restent avec, et bien justement, qui pour bayo une provision légale à travers un vote pour que yo capable venir exploiter richesse yo dans pays d'Haïti pour que nous-mêmes nous pas joignent en rien. Pays a en entendez avec un pile intérêt. Parce que ça, c'est pour la nation, c'est pour le peuple haïtien. Entendez, ancien candidat à la présidence, alors au Sénat, ça, dans le département, quand dans ce pays, ils sont un médecin, un docteur. On avance. Même particulièrement, moi, j'étais candidat au Sénat dans le département de Grandas. Moi, j'ai un collègue d'Am Marie qui relève mon samedi. Il dit, donc là, bon réunion, ils ont invité la plaine. Mais on est en cours par rapport à Jean-Moi Bagay, yo m'ta rien mon al dans réunion. Mon qui invité m'n'a pas qu'on nom parler le dehors, il dit pas un problème vient avoir. M'dit qui est-ce qu'a la réunion. Il dit que gien des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements qu'a là. Groupe ça, son groupe qui gagne en tête lui, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry. Yo passé par un consortium à Madrid pour yo pas faire ou paraître trop. Yo besoin rencontrer des candidats parce que y a un projet de 50 milliards de dollars sur Haïti, faut le passer dans le Parlement, il a financé candidats avant l'élection pour y arriver et yo dit l'offre arrive c'est là encore y a financé parce que votre projet ça c'est dans le Parlement pour le passer. Moi dit monsieur pas un problème mal la réunion les fan dans garçon pas un côté mon qui t'a dirigé réunion il doit attendre là c'est un ingénieur. Monsieur dépose laptop li, monsieur fait projection. Aïe papa, il y a dit, d'ailleurs, il y a un plus gros bénéfice que me tire le fait que je suis candidat. Monsieur montre sur l'écran, et il y a l'autre ingénieur à Madrid qui était en lien avec lui, en liaison. Il y a montré sur Tito Mazo. Prend toute chaîne de maintenant, il y a après Saint-Marc, il y a montré toute étude qui fait sur Gypsum. Ok. Oui. Ah bon. Deuxièmement, nous avons projeté côté gagné source de pétrole. Okay. Et deux autres projets qui étaient plus importants pour eux, c'était derrière Domatis en l'Alembert de Port-au-Prince, côté de la bataille, avec en bas Carade. Donc, côté où est tout le monde, groupe 400 Marou. T'as dit bien, oui? L'Alembert de Port-au-Prince, dans la zone Matissan, côté où est gang yo, puis fragile là. Côté où est gang yo, privatisé. Côté où est mini-justice, du que Matissan son territoire qui perdu. Moi-même, je voulais faire nous comprendre. Plan pour que yo extermine nous-mêmes en tant que haïtiens, la fête avec des élites intellectuelles haïtiennes. Tenez bien. C'est pas moun ki imbécile, c'est pas moun ki saute yo kap fèl, mais c'est moun ki konn li, ki gon plan, ki bien monté, bien charpenté pour yo capable exécuter ce kap fèt là. Qui sont konnen nèg yo fè là nan kafou fey. Yo organisé yo. Yo prend des policiers nan yon getap, nan yon panzo. Yo montre policiers yo y'a ba yo support pour que yo combat Gravine. Yo dit monsieur Gravine yo fait attaque sous commissariat Savane Pistache là, alors Pistache là. Et puis n'a fait policier soi-disant répondre et puis au coup de la route n'a réduit sous capacité policier yo et puis nous-même n'a vienne en force sous policier yo. Policier besoin renfort, yo alors policier commence attaquer oui. Yo tué quatre gars pour petit la plus fâché. T'as bien oui. Ça dit son bagage qui bien monté, bien organisé. C'est des monde qui bien con. T'as bien. C'est pas imbécile, c'est pas idiot, c'est pas illettré. C'est des monde qui connent lit. C'est des monde qui connent réfléchir bien.
kap fè qualité complot sa yo. Et c'est des haïtiens kap e demisye yo, exécuter plan sa yo. Oligak yo pas imbécile du tout. Yo fè des policiers, fè résistance en face groupe gang ti la pliant, et puis rapide vite, yo voyon conteneur munitions avec cartouche, alors avec zam, by iso, avec ti la pli pour renforcer tête yo. Jeff jeune la jeune, la dan, vite l'homme jeune la dan. Ou kon sa k passe? Ti la pli vin gen matériel solide dans mel. La police là au niveau des GA, yo pas bay policier et ça va une pistache et ka fou fè yo et munition et renfort. Police a fait résistance. Y a pensé acheter ti gen cartouche dans particulier. Et puis police vin en faiblesse. Kounyo kon sa k passe? Yo bay bandi yo mission pour attaquer kay tout policier ki nan ka fou fè. Et mettez tout moun d'ailleurs nan ka fou fè. Nous de comprendre effectivement ça k'a passé là. C'est pas des bagay ki, c'est pas des bagay ki k'a fait pour jouer même. C'est des centaines de milliards de dollars américains qui n'ont besoin prend en dedans pays d'Haïti sans que Haïti haïtien pas bénéficier en rien là-dedans. Et c'est grave ça qui a passé. Nous avons richesse pour nous capables, nos dimensions Dubaï et tout calcul fait, toute étude fait, et c'est eux qui fait. Heureusement libre là oui. Monsieur ça qui fait révélation ça. Monsieur que la connaît que la ville en jeu parce que il mettait de gros intérêts en jeu. Et ça qui a aidé, alors pardon, ça qui a aidé. Élite globaliste blanc ça yo exécuter plan ça ce sont des oligarques corrompus que moi-même considérer comme plus gros maladie pays a qui est le cancer que nous capable résoudre à travers yon remède de, avec qui composé des ingrédients qui ingrédients qui lié c'est manchette c'est rache yon galon gasoline yon boîte à limette et puis yon green caoutchouc qui pour résoudre maladie qui est le cancer que nous bay porter nous qui est les oligarques là. C'est extrêmement important, ça que m'a dit nous là. Son pays qui prend un complot. Mais de fait, c'est soit nous vivre, ou bien nous foutre mourir net, qui n'est pas tout à fait, ou nous fini. Parce que nous pas capables de croiser bras nous, pour nous quitter tout le monde, et puis pour être capable de gérer des zones, pour nous venir placer, groupe là pour exploiter richesse, et puis pays a pas bénéficié rien. C'est soit nous mourir, ou bien ça pas fait dans le pays, ou bien le fait avec nous-mêmes. Nous pas de problème pour le fait avec nous-mêmes. Dans tout pays, sur la telle fait. Et les coopérations qui fait, pour exploiter une série de richesses dans le pays. Le sablon joine, nous-mêmes nous joignons. Ou bien expert joignent, ou bien nous-mêmes nous joignons tout. Les fêtes Dubaï, les fêtes au Qatar, la fête au paquet de l'autre pays. En Afrique là, après on commence à rire, après on commence à découvrir, ça la France a fait une exploitation richesse depuis 50 années dans le continent africain. Après on commence à mettre la France dehors, Afrique commence à well. Ça pour comprendre, à nous comprendre, en temps d'émission, avec un pile intérêt. En temps d'intervention, citoyen ça, avec un pile intérêt. Maintenant, dimension pour nous comprendre. Rassurez-nous que nous, au côté qui pas un bruit, pour nous comprendre. Pendant ce temps, ma vie m'a tourné après pour aider nous. Faites des commentaires, faites des analyses pour nous comprendre mieux. Parce que moi, je prends temps, je prends temps pour analyser la question, pour me préparer, pour me venir porter l'émission ça pour nous. Entendez, dans le commencement jusqu'à la fin. Même particulièrement, moi, j'étais candidat au Sénat dans le département de Grand-Est. Moi, j'ai un collègue d'Am Marie qui relait mon samedi. Il dit, donc là, bon réunion, ils ont invité la plaine. Mais on est en cours par rapport à Jean-Moi Webaga. Ils ont un mot à la réunion. Les gens qui invitent, ils n'ont pas qu'on nomme, ils ont dit, il n'y a pas de problème, viens avant. Je dis, qui est-ce qui a la réunion? Ils disent que il y a des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements qui ont là. Groupe ça, son groupe qui gagne en tête, li, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry. Groupe là, t'as bien oui, pas moi qui dis non. Groupe là gagne Hillary Clinton, ancienne première dame de la République des États-Unis d'Amérique. Yon dame qui sont matons dans la politique américaine. Ok, ils sont matons dans la politique mondiale. Son expert, son cerveau, c'est pas imbécile. Son monde qui connaît, dans le pays Mirole, ça connaît. Son tête qui est bien faite. Qui gère la politique monde là. Avec toute Maril, qui est ancien président des États-Unis d'Amérique. Qui sont matons. Il y a un monde qui contrôle monde là. C'est comme si on a dit monde là. Sous computer, ça qui devant là. Là, il y a un monde ça. Il y a contrôlé monde là. Et c'est des gros combats qui ont fait. Mais des faits, c'est des mondes justement, d'après analyse. On capable dire tout, est-ce qu'il y a un cœur? Il y a 45 minutes ensemble avec le Port-au-Prince. Est-ce que logique pour pas ta fait approcher l'autre façon? Il y a acheté un pile dans le pays d'Haïti, oui. Nous déconnons ça. Il y a un félin dans le pays d'Haïti, oui. Nous déconnons ça. En tant que citoyens,
et puis n'a pas comprendre plus. Son dossier qui gagne pile danger là-dedans. Parce que c'est des centaines de milliards de dollars qu'a parlé. Entendez. Même particulièrement, moi, j'étais candidat au Sénat dans le département de Grandas. Moi, j'ai un collègue d'Am Marie qui relait mon samedi. Il dit, donc là, bon réunion, ils ont invité la plaine. Mais on est en cours par rapport à Jean-Moi Bagay, je m'a un mot à la réunion. Mon qui invite, je n'ai pas qu'on nom, je le déroule, je dis pas un problème, viens avant. Je dis qui est-ce qui a la réunion. Il dit que il y a des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements qui ont là. Groupe ça, son groupe qui gagne en tête, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry, ils ont passé par un consortium à Madrid pour ne pas faire paraître trop. Ils ont besoin de rencontrer des candidats. Parce que y a un projet de 50 milliards de dollars sur Haïti. Il faut le passer dans le Parlement. Il y a financé candidats avant l'élection pour y'a arriver. Et il dit, l'offre arrivé, c'est là encore y a financé parce que votre projet, ça, c'est dans le Parlement pour le passer. Moi, je dis, monsieur, pas un problème. Mal en réunion. Les gens dans garçon, pas un côté. Vérité, la parole. Moi, je dirige la réunion, il doit attendre là, c'est un ingénieur. Haïtien. Monsieur dépose laptop, li, monsieur fait projection. Aïe papa, il a dit, d'ailleurs, il y a un plus gros bénéfice que je tire le fait que je suis candidat. Monsieur montre sur l'écran, et il y a l'autre ingénieur à Madrid qui était en lien avec lui, en liaison. Il montre au sorti Tomazo. Pour toute chaîne de maintenant, il s'est après Saint-Marc, il y a montré toute étude qui fait sur Gypsum. Oui! Ah bon. Deuxièmement, nous avons projeté côté gagné source de pétrole. Et deux autres projets qui étaient plus importants pour eux, c'était derrière Domatis en l'Alembert de Port-au-Prince, côté de la bataille, avec en bas Cara 2. Donc, côté où tout le monde, groupe 4, Samarouzo, a fait des ordres, etc. Tout le monde en a, ce sont des sentinelles. Il faut nous rappeler que le docteur Mathurin, avant sa mort, il dit même si Haïti a vendu tout côté, zone en bas, ça, côté pour Haïti, par exemple, quitter. François Mathurin. Les affaires étaient sales, comme ça, oui. Troisième magasin. Nous avons montré projection l'or dans la zone plateau central aller dans le nord, qui zone qui gagne. Nous avons montré, ça va de là, nous avons montré pour faire projection, nous faire cartographie. Nous avons montré qui côté qui gagne bauxite, qui gagne aluminium, donc et autre chose. Ça, c'est un. Deuxième bagaille, nous avons un pays qui était très proche de René Préval, qui était premier ministre, que tout le monde pensait que tu étais le candidat à la présidence. Jacques-Edouard Alexis. Brusquement. Il n'est pas candidat à la présidence. Jacques-Edouard Alexis. C'était le professeur Jacques-Edouard Alexis. Très bien. Maintenant, information que moi-même, j'ai gagné. Sous gouvernement, ça, tu as un groupe d'Afrique du Sud qui t'a fait rentrer à Haïti. Vient faire étude. Aïe, aïe, aïe. T'as le. Est-ce que nous songez, le Ariel t'est sorti en Haïti, m'a rappelé, qui date, mes amis? C'était en 2022, oui. Ariel qui était Haïti, il est rentré dans l'État Floride, États-Unis d'Amérique. Et puis, il y a une confirmation qui te fait quoi que Ariel t'a dans l'hôtel. Et puis, il te dit que c'est famille la loi. Et puis, on a une information qui a couru en bataille, qui n'a pas de vle. Dit bien haut que Ariel t'a chita avec des experts. L'exploitation minière, c'est des compagnies qui sont dans le Sud-Afrique, là. Dans le Sud-Africain. Est-ce que nous connaissons Ariel son véritable danger pour les Haïtiens? Est-ce que nous connaissons que plan que nous avons bandits à exécuter là, c'est plan ça que vous avez besoin, Jovenel Moïse exécuter pour vous? Est-ce que nous connaissons c'est Ariel qui a payé exécuter plan ça? Plan que vous Ariel a exécuté là. Est-ce que nous connaissons ça que vous avez besoin Jovenel exécuter pour vous? Et que vous n'avez pas jeune la cage Jovenel? Est-ce que nous connaissons une bagarre qui cause? Il fait silence, ben oligarque, et ben politicien mange Jovenel. Est-ce que nous connaissons pile bagay? Ben me permettre tout entendre, peut-être que après, on va réagir. Parce qu'il parle pile. Les rapports, ça a fini préparé, il a fini passé dans tout département dans le pays. Il a préparé le rapport, il a présenté le rapport au Palais National, ben président Préval, premier bail, il dit, monsieur, nous parlons de faire 5 ans là, on va rentrer dans le dossier ça. Préval pas d'accord, justement. Parce que il a porté Bali, cartographie, ressources minières. Et ça qui attire l'attention là-dedans, il y a des travaux sur le côté uranium avec iridium. Ça va bien, oui? Et il y a un monde qui travaille dans l'équipe ça. Chaque fois qu'il rentre dans Haïti pour le Canada, il passe par les États-Unis, il y a toujours Campbell dans l'aéroport pour interroger. Il y a questionné. Parce que il connaît tout détail.
Mais tant pas dans pays loc là. Que un personnage, on va songer non, pas quoi c'est pas docteur Vic Samar qui est sorti au caillé. Il est aveugle, il a 80. Nec Nord-Ouest. Nec Nord-Ouest, qui a 93. Oui, il est entré en 86. Dans le pays, il était candidat à la présidence. Et puis, il a eu l'information. Il a dit, mais tout dit là, pour nous connaître, il a eu le goutte. Voilà. Et puis, il dit que, donnez-moi le pays et je vous donnerai les informations. Donnez-moi le pays. Il dit, non, donnez-moi la présidence. Je vous donnerai les informations. Et puis, il a attendu, il sur un radio sœur, et puis, il dit que. Pendant deuxième loc là t'es dû et puis l'été du journaliste hein où qu'on est dans tout ça n'a pas passé là nous qu'a bail 4 millions mon emploi là moins d'un an et pas bail la charité non emploi à côté que vie mon n'a qu'à dépendre de lui mais journaliste t'a demandé mais qui côté n'a pas fait bail ça monsieur reprend les mêmes données la bail toutes données ça yo que uranium iridium etc il dit que les grands doctorats en économie de développement les petit les qui ingénieur pétrolier qui travaille en Thaïlande et puis c'est là, monsieur dit que, monsieur dit journaliste, ou pas qu'on est 1 tonne iridium là, et 40 milliards de dollars, vannes, oui. 1 grand tonne, oui. 1 tonne iridium là, 40 milliards de dollars américains, ben nous reprenons ça encore, parce que Paul Sayo, yo dit un pile, oui. Il dit que les grands doctorats en économie de développement, les petits qui sont ingénieurs pétroliers qui travaillent en Thaïlande, et puis, c'est là, monsieur dit que, je dis journaliste, ou pas qu'on est 1 tonne iridium là et 40 milliards de dollars vannes, oui. 1 grain tonne, oui. Donc, faut nous comprendre que nous sommes pays qui prend tout dans un complot international. Et pour donc, moi, donc là, comme ça, trop loin, qu'on y a là, nous allons comprendre pour qui ça, docteur Mathieu est mouru, on descend le vidéo à sous ça. Non, non, c'est pour nous continuer à parler parce que je ne suis pas tout à fait d'accord moi-même avec Thèse Sayo. Tout est tout net. Ah, ok. Maintenant, ça que tu attires attention, c'est le journaliste qui a demandé, docteur, là. Pour qui ça, c'est où gain information ça? Yo, quand on joigne, yo. C'est l'LTD, dit tout ça, Mabdoula, document écrit, bureau des mines gain, yo. Donc, et monde qui passe dans haut niveau l'État, yo, gain information, yo. Et vous placez moi. Et ça que pral attirer, attention, c'est parce que, yo, dit qu'on go quitte sur en Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est un pays qui gagne en pile uranium et parce que la deuxième fois, on dit ça, que soit. Excusez. Bio de mine, dans le pays d'Haïti, qui est-ce qui est en tête, c'est ingénieur Claude Prepti. Claude Prepti, concernant monsieur. Haïtien. Fremsom, kap tandem, kap gadim la. Peut-être que en pile nan nou capable dit tête nou gros bagay sa yo trop lou pour nous pour entrer là-dedans même m'a dit ça arabe blanc dans pays Dubaï c'est même débat ça qu'a fait là c'est comme ça t'a commencé pour eux même yo t'es capable prendre Dubaï à zéro pour arriver côté arriver là c'est des monde qui pas de peur c'est des arabes qui pas de peur qui t'es chita qui t'es aborder question ça, fait des analyses, dit que est-ce que le possible pour que des moun besoin vini exploiter richesse nous là et puis pour quitter dans misère pour quitter dans état ça. Si nous que tout bagage ça qui value avec tout bagage ça yo, pour qui ça nous pas font calcul, mais nous chita, nous planifions deal ensemble avec yo pour nous exploiter, pour yo jeune ça pour yo jeune, n'a jeune ça pour jeune. C'est comme ça qu'il fait. Au Qatar, Dubaï et dans plusieurs autres pays qui extrêmement riche vous connaît et qui a bien fonctionné. Nous même m'a dit nous ça très bien. L'homme parle avec des mouns, capé de me comprendre question ça. Yo dit, mais Fobeto, richesse pays d'Haïti gagne, Haïti même trop petit même pour le développer Haïti. Il est clair. Yo dit, mais ça aurait passé comme phénomène gang dans pays d'Haïti, à chercher une information dans pays Niger, à Burkina Faso, au Mali, pour aller garder côté pour eux, théorie sur bail problème yo. Base côté théorie sur place ya. Al gade pou wè, chercher information pour comprendre qui côté qui gagne plus richesse dans pays ça yo, dans continent africain. On prend temps, on prend sans m'tendi. Après ça m'vienne comprendre. Dans zone Matissan, c'est où dans côté qui gagne plus gros ressources pétrole, van pétrole qui là. Qui valier alors qui évalué avec plus passé 50 milliards de dollars américains. Il y a des gens qui disent plus passer une centaine de milliards.
Bah qu'on est. Mais sauf que, gen richesse là. C'est ça qui est important. En avance, après ça, peuple haïtien, zone pleine, Tomazo, pleine du kil de sac, koutou e gang yoye, tout bagay kanaran, c'est pas n'importe zone. C'est pas n'importe zone. Aria Cité Soleil, c'est pas n'importe zone. De fait, nous go réflexion pour qu'une fait. En nous prenant, nous prenons centre pour nous tendre. Déclaration dans toute intégralité, nous permettons nous tendre le net. Et puis après, nous tournons pour réaction. Entendez, avec un peu d'intérêt. Même particulièrement, moi, j'étais candidat au Sénat dans le département de Grandas. Moi, j'ai un collègue d'Am Marie qui relève mon samedi. Il dit, donc là, bon réunion, ils ont invité la plaine. Mais on est en cours par rapport à Jean-Moi Bagay, yo m'ta rien mon al dans réunion. Mon ki invité m'n'a pas connon, m'pa le de rôle, dit pas gen problème vin avou. M'dit qui est-ce qu'ap la réunion? Il dit que gen des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements qu'ap la. Groupe ça, son groupe qui gen en tête li, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry. Yo passé par un consortium à Madrid pour yo pas faire ou paraître trop. Yo besoin rencontrer des candidats. Parce que y a un projet de 50 milliards de dollars sur Haïti. Il faut le passer dans le Parlement. Il y a financé candidats avant l'élection pour y'a arriver. Et il dit, l'offre arrivé, c'est là encore y a financé parce que votre projet, ça, c'est dans le Parlement pour le passer. Moi, je dis, monsieur, pas un problème. Mal la réunion. Les gens dans garçon, pas un côté. Le monde qui t'a dirigé la réunion, il doit attendre là, c'est un ingénieur. Monsieur dépose laptop, li, monsieur fait projection. Aïe papa, il y a dit, d'ailleurs, il y a un plus gros bénéfice que je tire le fait que je suis des candidats. Monsieur montre sur l'écran, et il y a l'autre ingénieur à Madrid qui était en lien avec lui, en liaison. Et il montre au sorti Tomazo. Prend toute chaîne de maintenant, qui s'apprête Saint-Marc, et il y a montré toute étude qui fait sur Gypsum. Oui! Ah bon. Deuxièmement, nous avons projeté côté gagné source de pétrole. Mm-hmm. Et deux autres projets qui étaient plus importants pour eux, c'était derrière Domantis en l'Alembert de Port-au-Prince, côté bataille, avec en bas Cara 2. Mm-hmm. Donc, côté où tout le monde, groupe 4, Samarouzo, a fait des ordres, etc. Tout le monde a des ordres, ce sont des sentinelles. Il faut nous rappeler oui. Que le docteur Mathurin, avant sa mort, il dit même si Haïti a fait tout côté, zone en bas, ça. Côté pour Haïti, par exemple, quitter les affaires étaient sales, comme ça, oui. Troisième magaï. Nous avons montré projection l'or dans la zone plateau central aller dans le nord, qui est zone qui gagne. Nous avons montré, avant de là, nous avons montré pour faire projection, nous faire cartographie. Nous avons montré qui côté qui gagne bauxite, qui gagne aluminium, donc et autre chose. Ça, c'est un. Deuxième bagaille, nous avons un pays qui était très proche de René Préval, qui était premier ministre, que tout le monde pensait que tu étais le candidat à la présidence, brusquement. Il n'est pas candidat à la présidence de René Préval, c'était le professeur Jacques-Édouard Alexis. Ah, ouais? Maintenant, information que moi-même j'ai gagné. Sous gouvernement, ça, tu as un groupe d'Afrique du Sud qui t'a fait rentrer à Haïti, vient faire étude. Les rapports, ça a fini préparé, ils ont fini passer dans tout département du pays, ils ont préparé les rapports, ils ont présenté les rapports au Palais National, par le président Préval, premier bar, il dit, monsieur. Il dit, monsieur, nous ne pouvons pas faire 5 ans là, je ne vais pas rentrer dans le dossier ça. Parce que vous avez porté la cartographie des ressources minières. Et ça qui attire l'attention là-dedans, vous avez travaillé sur le côté de l'uranium avec l'iridium. Et il y a un monde qui travaille dans l'équipe ça. Chaque fois qu'il rentre dans Haïti pour le Canada, il passe par les États-Unis, il y a toujours Kembel là, l'aéroport pour interroger. Très bien, oui. Parce que vous connaissez tout le détail. Très bien. Maintenant, pendant le pays lock, là, il y a un personnage, je ne sais pas si c'est un pas quoi c'est pas docteur Vic Samar qui est sorti au CAE. Il est aveugle, il a 80. Non, Nord-Ouest. Nord-Ouest, qui a 83. Oui, il est entré en 86. Dans le pays, il était candidat à la présidence. Et puis, il a eu l'information. Il a dit, mais tout dit là, pour nous connaître, il a eu le compte goutte. Voilà. Et puis, il dit que donnez-moi le pays et je vous donnerai les informations. Donnez-moi le pays. Non, donnez-moi la présidence et je vous donnerai les informations. Il sur un radio sœur et puis il dit que pendant deuxième bloc là t'es dû et puis il était dit journaliste hein,
Ou qu'on est dans tout ça n'a pas passé là. Nous qu'a bail 4 millions mon emploi dans moins d'un an et pas bail la charité, non emploi côté que vie mon n'a dépend de lui. Mais journaliste t'a demandé mais qui côté n'a pas fait bail ça. Monsieur reprend les mêmes données, la bail toutes données ça yo que uranium, iridium, etc. Mm-hmm. Il dit que les doctorat en économie de développement, les petits qui ingénieur pétrolier qui travaille en Thaïlande. Et puis c'est le monsieur dit que monsieur dit journaliste ça ou pas qu'on est on tonne iridium là et 40 milliards de dollars vendu. On graine tonne. Donc faut nous comprendre que nous sommes pays qui prend tout dans un complot international. Et pour donc là comme ça le trop loin qu'on y a là nous va comprendre pour qui ça docteur Mathieu est mort en descendant de vidéo sous ça. Non. Non, c'est pour nous continuer à parler parce que nous pas tout à fait d'accord moi-même avec thèse ça. Mais tout est tout net. Ah OK. Maintenant ça t'attire attention c'est le journaliste qui demande docteur là. Pour qui ça c'est ou gain information ça yo quand on joigne yo. C'est là il te dit tout ça m'Abdoula document écrit bureau des mines gain yo. Donc et monde qui passe dans haut niveau l'état yo gain information yo. Et vous placez monde et ça pral attirer attention c'est parce que yo dit gongo qui était en Afrique du Sud. Afrique du Sud c'est un pays qui gagne en pile uranium et parce que la deuxième fois on dit ça que sous Afrique du Sud là où tu dit que depuis sous qui prise sous préval que tu gagne un groupe sud-africain qui était rentré et il se trouve que la motte t'es fait un groupe spécialiste sud-africain t'es entré vient montrer qui côté qui gagnait type de minerai ça alors ça pas continuer quoi bah qu'on essaye parce que y a pas de bal bon information s'il n'est pas de compétent est-ce que ça t'a pris trop de temps mais t'es gagné on le groupe de spécialistes sud-africains qui t'es entré sous la mode. D'accord. Merci. Mm-hmm. Non, t'as très bien. Non. Excusez-moi. Je pense que docteur Chile était effleuré question. Hein? Mm-hmm. Donc moi-même, il y a une question à me poser. À part de mauvaise foi, manque de nationalisme, sentiment d'adida patrie, dit Sindavle, dit qu'en pile l'an dirigeant nous y a gagné, c'est la grande question, quel est l'intérêt de la communauté internationale? Mm-hmm. Pour yo a encourager deux dirigeants entretenir peuple haïtien dans sa lieu là jodi parce que politique là pas gain fait cadeau tout si yo choisi par exemple si yo te choisi yo dit que c'est Michel Joseph Martelly qui a fait plus bon président face à Milan Maninga yo imposé yo fait et là yo fin fait yo dit que meilleur citoyen jodi a Haïti gagne comme plus bon patriote qui a aidé Haïti c'est Ariel Henry maintenant yo gon intérêt maintenant fondamenté campé en face de intérêt ça yo quel est l'intérêt de l'international et quel est l'intérêt de gros monde ça yo qui accaparé qui pour moi même tant que Kolo te dit son poche c'est l'assassinat de Jovenel c'est à la fois un coup d'état à l'interne donc qui mettait dans tête pays un président fictif avec un premier ministre président tout donc là on analyser deux questions ça yo et puis on garder tout monde qui te prend la rue yo. Pendant 2-3 ans, ce Jovenel qui a parlé de changement système qui n'est pas bon, lise ceci, lise cela, qui intérêt ou bien qui patron, qui exige qu'on y a, après la mort de Jovenel, il faut que Yoshita avec Ariel pour yo faire en septembre et puis pour yo faire piquer devant. Très bien, voilà. Monsieur a fait une analyse après révélation qu'il fait dans la réunion qu'il a participé. Comme candidat au Sénat pour le département Gradas, qui a été invité, il dit que normalement, il y a un pile candidat qui sont dans 10 départements pays. Ça veut dire qu'il est candidat au Sénat, candidat à la députation. Mais il dit que clairement, le groupe ça qui était là, qui était invité tout et candidat ça, c'est des groupes justement qui, normalement, qui viennent en tête li. Bill Clinton, Hillary Clinton et yon lot groupe alto encore. Mais yon passé par n'a pas un consortium qui sorti dans pays alors à Madrid. OK, bon, si on dit Madrid c'est que c'est en Espagne, c'est vrai. Groupe ça, li gon projet 50 milliards de dollars américains dans pays d'Haïti. Mais pour projet ça passé, yo montré député yo tout participant yo. Yon
y a une étude qui a été faite, ok, qui a été à travers une vidéo, qui a été faite sous zone qui a pétrole en Haïti, dans l'ouest là surtout. Ils ont montré au lit, et puis c'est à partir de ça que ils ont pu financer des candidats au Sénat et à la fois à la députation. Ils ont financé pour faire élection, pour arriver député et sénateur, mais ils ont pu financer plus davantage leur fin élu parce que ils ont pas besoin pour voter loi ça pour projet ça passer. Ce n'est pas le parlement pour voter. Mais qui raison où les Jovenel ta bataille pour référendum te fait pour garder comment ta va rewè dossier parlement et pour te wè eh ben gon frange dans communauté internationale là qui pas de vle Jovenel et pour oligarque vinn senti que jwenn franchise jwenn légitimité pour tout profiter de ça pour assassiner Jovenel Moïse. Jovenel c'est un type qui est extrêmement intelligent mais malheureusement qui pas de équipe avec elle. Mais c'était très 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 loin. Monsieur, pas de temps devant. Parce que il a fait environ 4 ans, il a boulé, il a crasé le pays. Pas de un Jovenel Moïse était capable de faire pendant l'espace ça. Le Jovenel Moïse vient une stratégie, crasé brisé, mais il ne vient pas parler, il ne vient pas parler moins, pour agir plus, pour faire des bagailles, il vient contre Zapired, il vient peser le bouton de panique, il a assassiné le président le 6 pour le 7 juillet, qui fait 4 ans, 5 ou 6 mois au pouvoir. Et que tout le président. Je veux payer à connaître que Jovenel Moïse te prend pile risque pour nous-mêmes en tant que haïtiens. Et ceci, c'est ça qu'on a fait là tout. C'est des risques que liés. Ce n'est pas jouet qui est là. Ce n'est pas d'un cap grien, c'est souci cap contre. Je veux que chaque haïtien comprenne effectivement la bataille qu'on a fait là. Il n'est pas petit du tout. Il n'est pas petit du tout. On se bagarre qu'on capable de faire, c'est partager mission pour nous. Seul, puis gros service qu'on capable de prendre nous, après prier ou prier pour nous, c'est partager mission pour capable permettre maximum monde, tendez et garder émission ça. Parce que il y a pile parole, effectivement, qu'a parlé en dedans pays. Et pour les amis, monsieur, que qu'a demandé nous, pour nous reprendre ça, à nous reprendre pendant que on a tout profité, fait un petit capture d'écran ou du moins tout service ça coupe petit parti ça et puis pour capable partager le tout côté bah mettez le pour nous n'attendez le net et puis pour nous partager avec l'autre ami avec un peu d'intérêt entendez ça c'est très important bah mon focus bah mon fixation n'a pas ça qui nous prend le temps de là parce que c'est des gros informations qu'a partager ensemble avec nous là et puis après ça nous même n'a tourner pour analyser commentaire entendez ça. Et moi-même particulièrement, moi j'étais candidat au Sénat dans le département Grandas. Moi j'ai un collègue Dame Marie qui relait mon samedi. Le team donc là, grande réunion, ils ont invité la plaine. Mais on est en cours par rapport à Jean-Marc Webagay. Ils m'ont arrêté moi à la réunion. Mon qui invité n'a pas qu'on nomme balé le rôle, dit pas un problème venant avant. Me dit qui est-ce qu'à la réunion. Il dit que j'ai des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements qu'à plat. Groupe ça, son groupe qui gagne en tête li, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry, yo passé par un consortium à Madrid pour yo pas faire yo paraître trop. Yo besoin rencontrer des candidats parce que yo gon projet de 50 milliards de dollars sur Haïti. Faut le passer dans le parlement, y a financé candidat avant élection pour yo arriver et yo dit l'offre fin arriver c'est là encore y a financé parce que votre projet ça c'est dans le parlement pour le passer. Moi dis monsieur, pas un problème. Mal la réunion. Les gens dans garçon, pas un côté. Monde qui t'a dirigé réunion, il doit attendre là, c'est un ingénieur. Monsieur dépose laptop, monsieur fait projection. Aïe papa, il a dit, c'est un plus gros bénéfice que me tire le fait que je suis candidat. Monsieur montre sur l'écran, et il y a l'autre ingénieur à Madrid qui était en lien avec lui, en liaison. Et je montre au sorti Tomazo. Pour toute chaîne de maintenant, ils après Saint-Marc, et donc, il a montré toute étude qui fait sur Gypsum. Oui. Ah bon. Deuxièmement, je projeté côté gagnant source de pétrole.
Et deux autres projets qui étaient plus importants pour eux, c'était d'ailleurs Domantis en Lambert de Port-au-Prince, côté Bataille, avec en bas Karadeux. Donc, côté où tout le monde, groupe 400, Marouzo a fait des ordres, etc. Tout le monde, je suis des sentinelles. Il faut nous rappeler que le docteur Mathurin, avant sa mort, a dit même si Haïti a vendu tout côté, zone en bas, ça, son côté pour Haïti, par exemple, quitter l'autre pays. Les affaires étaient sales, comme ça, oui. Troisième magasin. Ils ont montré projection l'or dans la zone plateau central aller dans le nord, les zones qui gagnent. Ils ont montré, ça va de là, ils ont montré pour faire projection, ils ont fait cartographie faite. Ils ont montré qui côté qui gagne bauxite, qui gagne aluminium, donc et autre chose. Ça c'est un. Deuxième bagaille. Il y a un monde dans le pays qui était très proche de René Préval, qui était premier ministre, que tout le monde dépensait que tu n'es pas le candidat à la présidence, brusquement. Il n'est pas candidat à la présidence de Préval, c'était le professeur Jacques-Édouard Alexis. Jacques-Édouard Alexis. Très bien. Maintenant, information que moi-même j'ai gagné. Sous gouvernement, ça, il y a un groupe d'Afrique du Sud qui a fait rentrer à Haïti, vient faire études. Les rapports, ça a fini préparer, ils ont fini passer dans tout le département du pays, ils ont préparé le rapport, ils ont présenté le rapport au Palais National, par le président Préval, premier bar, il a dit, monsieur. Il dit, monsieur, nous ne pouvons pas faire 5 ans là, nous ne pouvons pas rentrer dans le dossier ça. Parce que vous avez porté Bali, cartographie, ressources minières. Et ça qui attire l'attention là-dedans, vous avez travaillé sur le côté uranium avec iridium. Et il y a un monde qui travaille dans l'équipe ça. Chaque fois qu'il rentre dans Haïti, pour le Canada, il passe par les États-Unis, il y a toujours un bel aéroport pour interroger. Parce que vous connaissez tout le détail. Maintenant, pendant le pays, là. Qu'il y a un personnage, je ne sais pas quoi c'est pas docteur Vic Samar qui est sorti au CAE. Il est aveugle, il a 80. Non, nec nord-ouest. Nec nord-ouest, qui a 80. Oui, il est entré en 86. Dans le pays, il était candidat à la présidence. Et puis, il a eu information. Il a dit, mais tout dit là, pour nous connaître, il a eu un compte goutte. Voilà. Et puis, il dit que donnez-moi le pays et je vous donnerai les informations. Donnez-moi le pays. Il dit, non, donnez-moi la présidence et je vous donnerai les informations. Et puis, m'attendais, il sur un radio sœur, et puis, il dit que pendant le deuxième bloc, là, t'es dû, et puis, il était dit, journaliste, hein, ou qu'on est dans tout ça, n'a pas passé là, nous, qu'on a bâillé 4 millions mon emploi dans moins d'un an, et pas bâillé la charité, non, emploi, côté que vie, mon an, qu'a dépend de lui. Mais, journaliste, t'as demandé, mais, qui côté n'a pas fait bâillé ça? Monsieur reprend les mêmes données, la bâillé toutes données, ça, yo, que uranium, iridium, etc. Il dit que le doctorat en économie de développement, il y a un petit qui est ingénieur pétrolier qui travaille en Thaïlande. Et puis, c'est là, monsieur dit que, monsieur le journaliste, ça, ou pas qu'on ait 1 tonne iridium là, et 40 milliards de dollars, on grain de tonne. Donc, il faut nous comprendre que nous sommes pays qui prend tout dans un complot international. Et pour donc là comme ça trop loin qu'on y a là nous va comprendre pour qui ça docteur Mathieu est mort on descend une vidéo à sous ça non c'est pour nous continuer à parler parce que je suis pas tout à fait d'accord moi-même avec thèse ça yo plutôt t'as des toutes nettes. Ah ok, maintenant ça t'attire attention c'est le journaliste qui demande docteur là pour qui ça c'est où gain information ça yo quand on joigne yo c'est là il te dit tout ça Mabdoula document écrit bureau des mines gain yo. Donc, et monde qui passe dans haut niveau l'État, il gagne information. Yo. Et vous placez moi. Et ça pral attirer, attention, c'est parce que yo dit qu'on go qui te sort en Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est un pays qui gagne en pile uranium et parce que la deuxième fois, on dit ça, que sur Afrique du Sud là, où tu dit que depuis sous qui prise sous Préval, que tu gagnes un groupe sud-africain qui est rentré. Et il se trouve que la motte t'es fait un groupe spécialiste sud-africain t'es entré vient montrer qui côté qui gagnait type de minerais ça. Alors ça pas continuer quoi. Bah qu'on est parce que y a pas de bon information, s'il n'y a pas de compétent, est-ce que ça t'a pris trop de temps, mais t'es gagné on l'autre groupe de spécialistes sud-africains qui t'est entré sous la mode. D'accord. Merci. Non, excusez-moi. C'est parce que le docteur Chile était effleuré question. Hein? Donc moi-même, il y a une question à me poser. À part de mauvaise foi, manque de nationalisme, sentiment d'Adida Patrick, d'Isindavle, dit qu'en pile l'an dirigeant nous y a gagné, c'est la grande question, quel est l'intérêt de la communauté internationale
pour yo a encourager deux dirigeants entretenir peuple haïtien dans sa lié là jodi parce que politique là pas gain fait cadeau tout si yo choisi par exemple si yo te choisi yo dit que c'est Michel Joseph Martelly qui a fait plus bon président face à Milan Maninga yo imposé yo fait et là yo fin fait yo dit que meilleur citoyen jodi Haïti gain comme plus bon patriote qui a aidé Haïti c'est Ariel Henry maintenant yo gon intérêt maintenant fondamenté campé en face de intérêt ça yo quel est l'intérêt de l'international et quel est l'intérêt de gros monde ça yo qui accaparé qui pour moi même tant que Koloté dit son poche c'est l'assassinat de Jovenel ça y a la fois un coup d'état à l'interne donc qui mettait dans tête pays un président fictif avec un premier ministre président tout très bien justement peuple haïtien li extrêmement important pour que nous aidons comprendre dossier ça. Parce que nous sommes pays qui nous situation qui compliquée côté que tout nous entendez aide ceci aide cela aide cette date nous qu'on l'armée d'Haïti qui là nous t'a ramé sauter dans ça que nous trouver dans l'armée capable dans bourade gide autorité alors gide gros partout dans la communauté internationale qui exige pour que nous pas mettre l'armée dans combat de gang qui ça veut dire nos pays alors pour blandim puis gam mettre la même dans combat de gang. Manque comprendre ça. Nous prenons le soit avec Stanley Lika pour nous comprendre. Effectivement, ça a passé dans quatre dossiers. Parce que c'est extrêmement important pour nous faire parler ensemble avec des gens qui vraiment ont connaissance dans le domaine ça pour nous capables de comprendre mieux ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Là. Et voilà maintenant, peuple haïtien, gens qui sont dans ce là, nous gagnons Stanley Lika ensemble avec nous pour nous faire un petit parler autour de questions ça yo. Et Stanley Lika, bonjour, bonsoir, bienvenue, comment nous y est? Et moi salue Roberto, moi salue tout auditeur yo. Et ben mon seconde, ben mon seconde, pour me remonter li. Voilà. OK. La PC là maintenant. OK, la PC. Voilà. Et nous recevons bien là maintenant. Comment nous y est Stanley, reprend pour nous. Comment nous y est famille? Bon, nous saluons Roberto, nous saluons tout auditeur qui a suivi Chanel Loi. Et bon, nous-mêmes, nous continuons à boumer à méchant, et nous pas camper tout autant que le peuple n'a pas respirer. Voilà, Stanley, nous sommes là, nous avons trois points, évidemment, pour que nous soyons ensemble avec vous, permettre nous, et justement, vous avez éclaircir nous sur le dossier ça. Mais tout d'abord, on a commencé ensemble avec et délégation ça, qui c'est délégation CARICOM, qui débarquait dans le pays d'Haïti hier, qui c'est 4 septembre 2023, qui va le passer environ 5 jours dans le pays. Nous avons frontière de nous comprendre et rentrer CARICOM dans la décision qui prend pour que nous soyons ensemble avec le groupe de monde dans le pays. C'est très important. D'abord, CARICOM nan son organisation qui gagne à peu près 50 ans et li regroupe et majorité pays et dans Caraïbes là. Et nous même en tant que pays d'Haïti, nous gagne à peu près 25 ans en dedans CARICOM. Nous rentré 4 juillet 1998, les ça nous te gon statut provisoire. Et premier côté, yo parle vraiment pour en position sur question politique dans pays d'Haïti, c'est l'été gagnant conflit électoral dans l'année 2000. Yo. Côté Jean-Bertrand Aristide, et te menacé président KEPA Léon Manus, et parce que l'été voulait que Léon Manus change le résultat que peuple a été voté. Et pour jeune qui a fait recherche sur ça, yo ka joine lettre que Léon Manus te écrit au EA après que Aristide te menacé touyel parce qu'il pas de changer résultat. Donc et CARICOM pral pon l'autre vitesse supérieure et à partir de février janvier 2004 et les Aristide pral démissionner et Aristide démissionner en 2004 suite à des initiatives que toute organisation anti-néolibérale yo te prend et te campé en face li et pour comportement dictatorial que il te gagne sous pouvoir et nan touye moun boulé kay leader politique boulé kay parti politique et cetera et ou ka joine communiqué toute organisation anti libéral sa yo et côté tite la c'est Aristide doit partir qui date de 2004 et ou a joine ni sous www.potomitan.net
Ouais, nous même nous toujours bay référence yo. Très bien. Et yo va rentrer tout na faire assassinat président et après le 7 juillet et malheureusement l'État haïtien à travers premier ministre de l'époque que nous t'ai en juillet Claude Joseph qui était tout ministre affaires étrangères et l'État haïtien t'a écrit CARICOM pour mander CARICOM tant prix aider pays d'Haïti parce que nous mandé conseil de sécurité et pour lui mettre en place un tribunal spécial international qui a enquêté dans quatre juridictions qui concernaient par crime qui fait contre président Lacaine étant donné que le pouvoir judiciaire assassin ou te prend contrôle. Donc quatre juridictions ça yo c'est États-Unis, Colombie, Saint-Domingue et Haïti qui impliqué dans crime là. Malheureusement, malgré les ça que Haïti voyé by CARICOM qui mandé CARICOM courir Haïti dans Nations Unies pour tribunal pénal international la meté CARICOM pas jamais vraiment ba une réponse à domaine ça. Après que et on sait de élite globaliste blanc corrompu qui besoin vinn voler sa kanbate pays d'Haïti après plusieurs efforts que yo fait dans conseil de sécurité pour fourer dans gorge nous une intervention militaire étrangère que nous pas blé après que ça échoué dans Nations Unies New York yo essayé dans Oréal pas marché yo vinn descendre dans CARICOM nan pour essayer faire nous valer fourer dans gorge nous intervention militaire ça. Mm-hmm. Et c'est pour ça récemment yo te font réunion Bahamas pour qui Jean pour faire agenda ça avancer. Après ça, y a le font réunion Jamaïque avec des leaders politiques haïtiens. Et malheureusement, peuple a ouais clair que gon agenda coquin là-dedans parce que 87% moun que yo invité haïtiens que yo invité dans réunion Jamaïque là, 87% là-dedans yo c'est eux même pendant 4 ans et demi qui se passait là. Qui crée des gangs, tant qu'on vite l'homme, tant qu'on l'embosse un jour, tant qu'on 400 maozo, tant qu'on fantôme 509, tant qu'on crase barrière. Donc, peuple a dit, il pas comprendre. L'a cherché solution à une violence gang. Et puis, c'est même nek qui crée gang yo, les avocats diables, les évaliers beau plan, qui te mandé président, s'il pas poté démission, la monte prendre la kaili. C'est des moun comme ça qui ouè dans réunion ça. C'est pour ça peuple là pas comprendre qui mais en même temps tout lorsqu'on analyse en profondeur acteurs qui ont de CARICOM yo ou gagne qui gagne un agenda fait coup d'état dans pays d'Haïti coup d'état pour qu'a comprendre ni c'est dans proposition qui a fait yo et en même temps tout c'est acteurs pour identifier par exemple le grand ministre affaires étrangères Bahamas Fred Michel li gon agenda li gen pou l'en politique pal dans pays d'Haïti. L'autre prince Sandra Honoré qui sorti Trinidad qui était d'abord chef de cabinet et secrétaire général adjoint OEA Luigi Einaudi qui après puis devant vinn chef ministre c'est Sandra Honoré qui délivré bannou avec oligarque Blackout Jocelyn Briver où Jean était content dans installation en 2016 février 2016. L'autre prend on l'autre nèg qui relé Ronald Sanders qui sont ambassadeur Antigua qui dans CARICOM nan. Monsieur son nèg pendant président Jovenel Moïse là, monsieur était encouragé violent opposition radicale là avec déstabilisation qui était faite dans pays là. L'autre en Colline Granderson, monsieur son nèg qui était là depuis pour coup d'état 1991, c'est lui qui était chef mi civi, c'est lui qui était mené un programme pour protéger toute la Valais en danger voyé à l'étranger. Jodia, c'est monsieur qui est assistant secrétaire général CARICOM. Et l'autre en premier ministre Jamaïque là, c'est Justin Trudeau et qui campé derrière. Alors Mabdou depuis CARICOM formé et yo fait deux sommets en Haïti, yon en 2013 sous Matéli, yon en 2018 sous Jovenel. Donc je veux dire pour comprendre l'agenda coup d'état, faut garder ces propositions illégales et inconstitutionnelles que yo voulez fourrer dans gorge. Ou même capitaine de là dans émission ça. Depuis nous avons fait voter constitution 1987 là que nous t'a amendé, c'est lui qui définit règles jouet politique là. Ça veut dire que même lors dans situation normale ou bien ou dans situation exceptionnelle dans les deux cas, c'est constitution qui doit appliquer. Dans pays d'Haïti, auditeur ou même capitaine de là, gain deux gens gain deux qualités président ou bien deux gens qu'on ka vinn président pays d'Haïti. Premier gens sont président constitutionnel,
c'est peuple a voté pour dans élection, laisse ça ou recevront un mandat de 5 ans. Mais si président vient gon problème, soit le malade ou bien yo touyé ou bien gon l'autre bail qui rivé pas gen président encore, gon deuxième gens que pays a ka met ton président, mais président ça ou après le président provisoire. Son grain gens qu'on ka meté président provisoire. Faut gon parlement qui font élection au deuxième degré. Si pas gen parlement, article 149 constitution très clair. Depuis pas gen parlement, ou pas ka meté président provisoire. Constitution en article 149 dit lors pas gen parlement, ou pas ka meté ton président provisoire, son premier ministre avec ministre qui a dirigé pouvoir exécutif là jusqu'à ce que peuple a voté dans élection pour choisir un nouveau président. Raison qui fait que le législateur a écrit constitution en comme ça, c'est pour garantir que dans les deux cas, avait dit élection côté peuple a voté un président constitutionnel ou dans le deuxième cas côté c'est représentant peuple là dans parlement qui font élection au deuxième degré pour mettre un président provisoire. Dans les deux cas, législateur a été vleke, président, quel provisoire, quel constitutionnel, faut qu'on certaine légitimité populaire. Et c'est pour ça, constitution d'où, ou pas qu'à mettre président provisoire si pas gen parlement. Donc, demain matin, si nous voyons Ariel Henry aller là, son l'autre premier ministre n'a pas obligé de mettre, nous pas qu'à mettre président provisoire. Donc, regardez, mon cap vin fait proposition, comme quoi, pour mettre un président provisoire, tout c'est dans le coup d'état, oui. On garde nèg ki nan coup d'état. Premier nèg ki nan coup d'état et wap mande si m'si réfléchi si c'est pas folie pouvoir qui fait le perdre la carte. La carte m'si ta droit un psychologue parce que gen des nèg nan pays d'Haïti pouvoir faire au fou. On prend Kafri Jean. Côté m'si prend 2-3 ans mine, la long hôtel pays a et puis il déclare tête li président provisoire Montana. C'est bay moun founèt. Parce que si m'si te li constitution, nous c'est après clairement dans la constitution si pas gain parlement ou pas kavin président provisoire c'est celle premier ministre qu'a vinn même premier ministre si comique nous c'est Steven Benoît qui comprend jouet si comique là nous c'est en démissionner parce que nous c'est comprendre jouet là son parlementaire li connaît sa constitution justement donc l'on est concours fruit Jean qui était directeur cabinet Aristide qui était congéré gang yo pour Aristide qui était gouverneur banque centrale l'aime c'était gouverneur banque centrale li volait 93% réserve l'au pays a gon article en détail sous alter presque le premier ministre nommé la société civile et lors de la banque de la République d'Haïti qui décrit qui j'aime se volait réserve l'au pays a une bagaille qui crase goudan parce que réserve l'au garantie force monnaie nationale là c'était volé 83% dans l'or est à $1,800 au niveau international. Monsieur vend l'or pour $258 l'once. Donc c'est pour montrer aux gens ça au coquet. Deuxième coup d'état et c'est Aristide qui a essayé fait. Auditeur bon clair avec vous moi-même toujours bonne référence très clair et nous-même nous va nous mentir à monde. Aristide président deux fois. A dit il fait deux mandats présidentiels. Constitution interdit troisième mandat. A dit que Aristide pas président pays encore au niveau politique. Pour le président, l'agent fini. Donc, je ne le dis pas. Monsieur qu'on est pas qu'un président. Pour qui ça, monsieur chaud comme ça, n'a fait, et coup d'état, ça, lui, public. Et pour ça, nous-mêmes, nous pensons qu'il y a trois questions que Aristide doit répondre, bah, peuple haïtien. Première question. Les Aristide fait discours, il y a propre bouche, lui. L'idée d'il te font des autres. Ça, ça veut dire. Qui des autres qu'il te fait, qui mettait nous tout en danger? Il faut que j'aimerais répondre à la question, ça. Deuxième question que Aristide gagne pour lui répondre. Les blancs yo prend monsieur de Afrique d'ici dans 2010 pour mener dans pays d'Haïti. Qui dit et qui promet si te fait blanc yo pour blanc yo prendre de Afrique d'ici de mener tourner dans pays d'Haïti. Le troisième élément c'est ça me saute tout à l'air. Monsieur connaît pas qu'à président encore pour qui ça monsieur chaud comme ça devant bonne. Qui ça cap inquiéter monsieur? Est-ce que gon bagaille que monsieur pas voulez nous connaît qu'il fait? Donc je veux dire c'est ça réalité dans contexte ça. Ou gade visite CARICOM nan, mais qui débarque là ou nan CARICOM, yo gen sa agenda personnel pa yo, gen sa agenda blanc globaliste corrompu besoin vin voler sa kambate peyi a. Donc faut que nous vigilons. Très bien. Allô? Oui, nous la sonle. Et puis, bon ba qui très important, et bête ou pou gade, et ou même tout auditeur pou gade, Saint-Domingue pa gen pétrole, nous tout compte ça. Très bien. Nous avec Belize signé un accord avec Saint-Domingue pour monter en raffinerie. Côté pétrole ça sorti.
C'est dangereux, oui. Mes amis, sauf qui ba imbécile qui pas prend. Je ne jodi a, dans chaque section communale pays a, nous devons gen des comités de sentinelles. Pour que n'importe section communale, gon blanc qui vient levon, pelle dans section communale là, son patrouille, le mari, le remettre li ba la police. Et nous pas quitter blanc, vient faire ça ou faire dans pays Congo. Dans pays Congo, yo voye Kenya, yo voye et Kagame, Rwanda, al déstabiliser Congo. Pendant qu'il a déstabilisé Congo, il a volé tout ça en bataille. Nous pas quitter modèle ça appliqué. Ça en bataille nous-mêmes, comme nous pas gain moyen pour nous prendre, si blanc veut font deal avec nous, n'a prend 80 en tant que pays, blanc vient prend 20. Mais question pour le vin prend tout en papier nous là et ça n'est boule ni pas privé. Li grave, li grave, li grave en pile Stanley et sur route que nous trouvons là. Et d'après toute analyse, on est capable de comprendre ce qui a passé là, c'est où ça que monsieur a pris, c'est prendre tout net. Et puis nous-mêmes, comme si. Mais c'est grave, monsieur. Comment un groupe est capable de penser pour juste vivre dans le pays, pour prendre richesse pays, et puis comme si nous avons pays. Tribustier, même. Tribustier, depuis l'époque de la colonie, on a fait ça. C'est et ça, ouais, là, nous avons débarqué là, c'est pas où nous avons prendre. Non, mais les avocats, diables, les Evaïe Beauplan, les Ariel Henry, les Ricapier, les Conze. Pour que sa parole sa yo ke al servi nan réunion conseil de sécurité a pour garder si yo ka foure Kenya nan gorge nou. Nous même nous pi intelligent que ça. Nous gen 250 ans n'ap gouma blanc, nous konn tout tactique yo. Nous konn tout technique yo. Et justement gen yon ti vidéo qui très viral nan tout réseaux sociaux Stanley et en pile moun a parlé de li. C'est yon candidat au Sénat nan département Grand'Anse qui fait une révélation sur une réunion qui était invité dans la plaine. Et monsieur dit des bagages qui est extrêmement important et en pile monde partage cette expérience avec nous même tout nous prenons ça et nous te dit n'a partager ça ensemble avec vous en public ou va nous une idée de ça tout parce que il est extrêmement important non seulement nous gagner nous partager sur écran déjà avec Mounio, mais pour nous faciliter réagir sur lui n'a play li ensemble avec vous parce que ça li important pour population comprendre bien pour moun k'ap vive nous c'est des zones côté que gang yo prend OK Port-au-Prince là même parce que Port-au-Prince là nous gain commune alors département là stand nous gain 20 communes là-dedans commune clé que nous gang yo prend c'est pas sans raison par rapport ensemble avec des alors information que monsieur en bail là en nous aide me comprendre nous même sous sans les cas qui gain plein information en nous tendez ensemble avec grand public là et puis n'a va réagir sur les particulièrement, moi j'étais candidat au Sénat dans le département de Grand'Anse. Moi j'ai un collègue Dame Marie qui relait mon samedi. Il dit donc là, bon réunion, ils ont invité la plaine. Mais on est en cours par rapport à Jean-Moi Bagaille, on t'a rien moi dans la réunion. Mon qui invite, je n'ai pas connu, on parle de rôle, dit pas de problème, viens avant. Je dis qui est-ce qui a pris la réunion? Il dit que il y a des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements qui a là. Groupe ça. Son groupe qui gagne en tête, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry, ils ont passé par un consortium à Madrid pour ne pas faire paraître trop. Ils ont besoin de rencontrer des candidats parce qu'ils ont un projet de 50 milliards de dollars sur Haïti. Il faut le passer dans le Parlement. Ils ont financé les candidats avant l'élection pour arriver. Et ils ont dit, l'offre arrive, c'est là encore qu'ils ont financé parce que votre projet, ça, c'est dans le Parlement pour le passer. Je dis, monsieur, il n'y a pas de problème. Mal la réunion. Les gens sont dans le garçon, ils sont côté. Le monde qui a dirigé la réunion, il doit attendre de c'est un ingénieur. Monsieur dépose le laptop, monsieur fait projection. Il y a dit, c'est un plus gros bénéfice que je tire le fait que je suis candidat. Monsieur montre sur l'écran, et il y a l'autre ingénieur à Madrid qui était en lien avec lui, en liaison. Et je montre au sorti Tomazo. Prend toute chaîne de maintenant, ils après Saint-Marc, et d'où il y a montré toute étude qui fait sur Gypsum. Oui. Ah bon. Deuxièmement, il y a projeté côté gagné source de pétrole. Et deux autres projets qui étaient plus importants pour eux, c'était derrière Domatis en l'Alambert de Port-au-Prince, côté Thaïlande, avec en bas Karadu. Donc, côté où tout le monde, groupe 400 Marouzo, a fait des zones, etc. Tout le monde a fait des zones, juste des sentinelles. Il faut nous rappeler que le docteur Mathurin, avant sa mort, a dit même si Haïti a fait tout côté, zone en bas, ça, son côté pour Haïti, par exemple, quitter l'autre pays. Les affaires étaient sales, comme ça, oui. Troisième bagaille.
Nèg yo montré projection l'or dans zone plateau central aller dans le nord, qui zone qui gagne yo. Nèg yo te montré, ça va de là yo montré pour faire projection, il fait cartographie fait. Yo montré qui côté qui gagne bauxite, qui gagne aluminium, donc et autre chose. Ça c'est un. Deuxième bagaille. Gion monde dans pays qui était très proche René Préval qui était premier ministre, que tout le monde pensait que t'étais le candidat à la présidence. Brusquement, il n'est pas candidat à la présidence Roger Préval, c'était le professeur Jacques-Édouard Assis. Ah, maintenant, information que moi-même j'ai gagné. Sous gouvernement, ça, tu as un groupe d'Afrique du Sud qui t'a fait rentrer à Haïti, vient faire étude. Les rapports, ça a fini préparé, ils ont fini passer dans tout le département du pays. Ils ont préparé le rapport, ils ont présenté le rapport au Palais national. Le président Préval, premier bail, il a dit, monsieur, monsieur, nous ne pouvons pas faire 5 ans, je ne vais pas rentrer dans le dossier ça. Parce que vous avez porté Bali, cartographie, ressources minières. Et ça qui attire l'attention là-dedans, vous avez travaillé sur le côté uranium avec iridium. Et il y a un monde qui travaille dans l'équipe ça. Chaque fois qu'il rentre dans Haïti pour le Canada, il passe par les États-Unis, il y a toujours Kembel dans l'aéroport pour interroger. Parce que vous connaissez le temps. Ok, même quand vous commentez. Très bien. Et voilà, bon. On t'a débattu ça et on avance la Stanley. Bon, question qu'on doit poser tête tout. Et citoyen ça qui fait intervention ça, monsieur Elé Guito Batelmi. Monsieur était candidat à Lavala pour la grandance. Donc question qu'on doit poser tête tout. Est-ce qu'il y a une divergence entre Aristide et blanc que monsieur mentionné par rapport à deal qui a été fait? Parce que moi m'avoir et tout auditeur qui attendé au connaît que pas bon nèg dans la valas là qu'elle parler sans pas consulter chef là qui ça Aristide. Oui. Donc question qu'on doit poser c'est tout pour qui ça Aristide voyez Guito Batelmi Aristide qui nan qui chef la valas là pour qui ça le voyez candidat grand dans la valas là à dit ça dans radio. Est-ce que nan deal qu'elle t'a signé yo gen divergent journée jodi a moun qu'elle t'a signé deal yo sans nous pas connaître journée jodi a pour nous joindre réponse à question ça ça m'a bon bagage qui très important nous même pas reste là même reste pas important comme même penser bout ça est essentiel on bagage qui m'a dit tout petit et compris qu'on fait qui important que moi même pas connaître et monsieur que en pile l'autre haïtien capitaine là pas au courant. Ou fait qu'on est que monsieur exactement c'est un candidat au Sénat pour la grandance qui sorti dans parti politique et Lavalas là. Lavalas. On avance. C'est monsieur qui fait déclaration ça. Très bien. Monsieur cité nom d'officiel et ancien officiel américain qui n'ont dit 50 milliards, nous même nous pas de bagay ça, nous pas quitter sur aucun table. Non. Nous pas d'al signer deal sur aucun table. Qui j'en fait que monsieur au courant? Qui j'en fait au invité la réunion ça? Pour inviter pour inviter non réunion comme ça c'est qu'on font partie d'un réseau qui n'en dit ça yo ben moi même pas au courant ou même ou pas au courant mon paquet d'auditeurs là captain de là pas au courant et monsieur tellement de garçons dedans tellement de garçons pas de côté pour tacher épingle allez dit que dans tout garçon ça yo pas inviter nous allez dit qu'on est nous fait partie des monde qui pas dans vendre pays ni vendre bien pays ya 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 mais c'est gado danger. Et c'est pour ça que l'on a dit consacré. Lorsqu'un candidat Lavala pour la grandance, qui paraît dans nos émissions radio, l'idée consacré, bon deal 50 milliards d'investissements sous table à partir du même qu'on est uranium. Nous devons iridium. Ou tout ça, monsieur qu'on est. Ok, donc si monsieur qu'on est, ça veut dire chef li Aristide qu'on est tout. Il qu'on est tout. Écoute, est-ce que dans bagay kap fèt yo yo mete monsieur sous côté nan deal là, est-ce que c'est pour ça le voyer candidat là il parler de ça et pas lui même qui paraît. Mais où est-ce monsieur kap parler c'est pour les gens détaillé où est Aristide kap parler là. Ça bien détaillé oui. Et c'est pour ça ta l'air nous dit comme ça que Aristide gen un ensemble de questions pour lui répondre. Première question et pas moi même qui te dit, c'est pas ou même c'est pas audité à c'est Aristide qui te parle à bouche li. Li di li font ti des autres la gen tan ba explication li poko jambe ban nou explication ki sa ti des autres la yi. Et si effectivement e bon ti des autres son go des autres li te. Deuxième question Aristide doit répondre
L'Elton en Afrique du Sud là, il fait dit la blanc qui mène le tourné, qui ça te signe à blanc yo comme dit pour te mène le tourné. Et troisième question qui sont bagaille qui très clair pour tout le monde et qui en même temps très étrange dans comportement monsieur, monsieur fait deux mandats le président deux fois, constitution interdit un troisième mandat. Pour qui ça chaud, il besoin faire coup d'état. Et je vous dis, je commence à demander, moi, est-ce que nous avons fait tout le président Jovenel, là, dossier, ça va là dans tout? Question, il faut nous poser question. Question là pour poser. Est-ce que, président, parce que nous avons demandé question ça, est-ce que président est au courant des dossiers ça, yo? Président, malgré autant, tiré, il dit pas signer pour vendre le pays d'Haïti. Mais vous avez demandé, président, valider dossier. Président, pas élu président Kouliya. Président Pito mouri parce qu'il a validé un dossier. Toutes questions ça va nous poser. Nous sommes à la recherche de la vérité. Mais il y a des bagailles nous venons apprendre là dans la déclaration candidat Laval à ça qui a réussi à le faire. Effectivement, si on dit 50 milliards d'investissement sous table là, ça veut dire en bataille à un minimum 300 milliards. Ben, on blanc, pas pral mettre 50 milliards dehors, s'il pas pral faire minimum 300 à 400 milliards là-dedans. Très bien. Beto, c'est travail ou? C'est travail Yannick, c'est travail Jimmy, c'est travail oh. Bousta, c'est travail Zenlakay, oui. Qui fait que nous mettons nèg tout ni dans la rue, nous éclair. Nous voler ou besoin vinn voler nous en tant que peuple quitter nous pauvres oui. Ça même dit tout haïtien qui attend là en dedans pays tant qu'on dans diaspora. Pas gain aucun blanc qui vinn voler ça nous gagner pour quitter nous pauvres. Si blanc veut pour nous font deal avec lui, n'a prend 80% blanc comme li gain équipement yo la prend 20%. Mais question pour vinn prendre tout l'an tant qu'on fibliste longtemps, tant qu'on époque de l'esclavage ou pour ou vinn prendre tout et quitter nous pauvres pour mourir. Li papa qui doit passer. Et m'tout pour exemple tout à l'heure Stanley, li nan pays arabio, Dubaï, au Qatar, yo gen richesse et c'est lui qui mette au niveau ça. Yo pas quitter de étrangers vin exploiter yo et puis vivre dehors. Yo pas quitter ça passé. Yo te fait des deals. Beto. Très bien. Si bout de cosse de passer a, au moins repasser un petit bout au moins pour bay non blanc que nèg yo dit qui nan deal là et combien cop deal là. Même si bout ça qui a peu près 52 ou 54 secondes par contre là ba qui commencement ça pour yo wè qui est qui était dans deal là avec PA. Très bien nous ta PA pété coquin ba nous relaguer là encore parce que li important ça qu'on dit là et n'a plagué parce que pour attendre non qui blanc parce que li important c'est de gros blanc qui était officiel et dans pays dans grande puissance là justement en nous attendre peuple ici avec un peu l'attention et moi même particulièrement moi t'ai candidat au Sénat dans le département Grand-Est. Moi, j'ai un collègue d'Am Marie qui relait mon samedi. Je dis, donc là, une réunion, ils ont invité la plaine. Mais on est en cours par rapport à Jean-Maurice Bagay. Ils ont un mot à la réunion. Les gens qui invitent, ils n'ont pas qu'on nom, ils ne disent pas qu'il y a un problème, ils viennent. Je dis, qui est-ce qui a la réunion? Ils disent que il y a des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements qui ont là. Groupe ça, son groupe qui gagne en tête, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry. Ils ont passé par un consortium à Madrid pour ne pas faire paraître trop. Ils ont besoin de rencontrer des candidats parce qu'ils ont un projet de 50 milliards de dollars sur Haïti. Il faut le passer dans le Parlement. Ils ont financé les candidats avant l'élection pour qu'ils arrivent. Et ils ont dit que l'offre arrive, c'est là encore qu'ils ont financé parce que votre projet, ça, c'est dans le Parlement pour le passer. Je dis, monsieur, pas un problème. Mal la réunion. Les gens font un garçon, pas un côté. Mon qui t'a dirigé réunion, il qui doit attendre maintenant, c'est ton ingénieur. Et moi c'est nous bon à partir ça Stanley. Est-ce qu'on t'en décoser? Est-ce qu'on t'en décoser Beto? Et qu'on bagage qui est important là avant de sortir dire Stanley, il y a un ingénieur dans le pays d'Haïti qui dans bio des mines Stanley. Non seulement ça. Il y a un ingénieur qui dans bio des mines qui c'est ingénieur Claude Pripti. Et bon, qui te stande avancer parce que qui est extrêmement important et pour aider nous éclaircir sur dossier ça. On avance Stanley. Auditeur, bon répéter le point encore. En bas de la caille, nous gagnons bauxite, nous gagnons cuivre, nous gagnons l'eau, nous gagnons gaz naturel, nous gagnons terre rare, nous gagnons iridium, nous gagnons uranium,
et nous gen cobalt. Cobalt là seulement qui dans zone métropolitaine là, il vaut 98 milliards de dollars américains. Tout côté ouais gen gang yo, c'est la cobalt là, il vaut 98 milliards de dollars américains. Ma même entrer dans l'autre, non? Oui, yo dit me cobalt là lui-même, c'est avec yo fait batterie machine tout ça et yo dit c'est ça oui. C'est son bail qui est extrêmement important. Bon, un deuxième bagay. Il y a 52 mine là. Un grain nan mine là yo qui nan nord-est là, son mine là 24 carats. Évaluation préliminaire mine là ça seulement qui nan nord-est là, il vaut 35 milliards de dollars américains là 24 carats ça. Dans l'histoire monsieur. Beaucoup entre nan gaz naturel, beaucoup nan rien. Auditeur. Ouais. Sorti côté nier là pour ne kavin grenèg, il va compliqué. Il va compliqué. Mettez trois noms sous table là de moun qui ka premier ministre. Là nous fin mettez trois noms moun qui sous table là mettez bon cinq caractéristiques yo. Qui pape blanc, qui pape oligarque, qui pa nan gangé nan touye président, qui gen courage à caractère pour prendre décision yo, qui gon minimum capacité de gestion des affaires de l'État. Des affaires publiques. Kou ya sou base 5 ou 6 caractéristiques sa yo, mette 3 noms sous table là. Kou ya le nou fin gen nou, fè Ariel marcher, mette moun sa, pou vin rétablir la sécurité et rétablir l'ordre constitutionnel. Et pendant la rétablir la sécurité l'ordre constitutionnel, continue bâti la mea pour nous gen contrôle du territoire national. Parce que ça nous gen la, génération future yo ka fè. Chaque citoyen haïtien qui a fait au moins minimum 35 à 40 000 dollars américains par année. Toute société a, pour ça nous gambate. Donc, si nous quittons des malandrins conzés, les Valier Beauplan, les Antonio Cherami, les Rika Pierre, les avocats Diabla, bon moun sa yo, al vann nou tan kouti salé, c'est sot qui baye, imbécile qui pa pren. Gon l'autre proverbe encore, la guerre avec si patouye kokobe. Jounen jodi a la guerre comme à la guerre, faut nous défendre ça pas nous. Même pas gen nèg k ap vinn di demain matin. Ah, tan lete gen raison. Oui? Même pas besoin nèg vinn di gen raison men. Défendre ça pour wa. Défendre ça pour wa. Pe konkou gon richesse dans la caillou et pour kiton on moun vinn entrer la caillou, caillou pour oui, pour vinn prendre. Pour vinn prendre. Pour kiton nan misère là. Moi même si nous ça, ouais même k ap di ou ça là. Même on prend gros risque, gros menace pour nous, ça m'a dit là. Yo ka pété fiel moi demain matin, même prendre responsabilité moi-même. Mon paquet trash qui va prendre responsabilité yo. Nous pas quitter blanc vinn voler ça ne gagne. Et pas lâche tout, gagne gagne. Comme un bille fait aucun dans figu nous là, nèg yo penser que nous pas comprendre. André Michel avocat diable yo ka fait, yo ka fait jouer coquin yo, pas avec les patriotes de ce pays. Si ou même majorité peuple là cap goumer là. Depuis 26 mois, 7 septembre, n'a pas fait 26 mois depuis que vous êtes président, vous êtes la majorité. C'est nous qui grenadier pays. C'est nous qui défendons le pays. Et ça fait que depuis 26 mois, vous n'avez pas fourré le langage. C'est grave, monsieur. Bagala grave. Bagala grave, Stanley. Et d'après ça, comme Simdadjo, nous sommes capables de comprendre. Et quitter mon ap, quitter zone. Alors, Jean Badi a fait la Stanley. Imaginez, si on Badi besoin voler, c'est moun pour jeune pour voler. Faut jeune kay, faut jeune moun pour kidnapper. Mais qui Jean Badi a fait débarquer nos zones? Ou a fait moun quitter zone yo, ou a boule kay? Stanley sali, si, franchement. Beto, est-ce que gang yo gen capacité pour te monter une coalition qui gen 18 gang là-dedans qui aurait vivre ensemble? Gang la pas gen capacité ça? Et puis au font partie dans organisation criminelle fantôme 509. À joindre 18 gang yo. Et au dinèg yo, monte violence dans 10 jours kap vini la. Et ça qui est important, tout Stanley. Passage résolution dans le Conseil de sécurité pour yon ka fourre Kenya nan gòz nou. Pour nous rappeler ça. Kenya dit, après délégation dans sot Haïti, oh, li besoin contrôler port, oh, li besoin contrôler aéroport, li besoin contrôler route. Pour les voler, nous pas, ouais, c'est à voler. Et gros information te baye, semaine qui se passe, semaine qui se passe, pour gang yo te commence à faire mouvement ça, yon compte des munitions avec zam qui te rentré dans son matissant. Ça veut dire qu'il y a un jeune bien équipé pour mener une opération qui a mené à Stanley. Ça veut bien équipé pour faire ça à faire. C'est grave, absolument. Monsieur. Et puis Blanc, comprenne qu'il y a passé une bêtise. Blanc a fait cadeau l'encouze par la police. Je ne dis pas que la police n'a pas besoin de l'encouze, non. Mais dans un moment, ça a été vivre là,
blanc bien connaît ces 15 chars d'assaut que nous besoin, pas même blindé. Nous besoin 15 chars d'assaut, 2 hélicoptères de combat, un drone avec des mitrailleurs spéciales 53 speedboat. Qui j'en fait que blanc connaît ça nous besoin pour craser gang yo. L'armée à la police ka craser gang yo, si yo joine zam ki yo besoin, blanc refusé bali depuis 26 mois et puis sans peuple poule. Et puis blanc pareil, il en Ukraine, il voye 80 milliards de dollars américains zam bali. Sou permettre pour faut calculer Stanley. Et 40 pick-up et double cabine zoréquin en Haïti, Toyota Vanyo, à 78 000 dollars américains, pick-up ça yo. Si vous faites calcul 40 la multiplié par 78, libre 3 120 000 dollars américains. Ok? Et, tenez bien, qui, ça, vous, ça manque de comprendre l'histoire. Et, libre moins que ça. Oui, libre moins que ça. Soit acheter, non, soit acheter au Panama, et libre réduit de 35 à 40%. Ok, très bien. Ça, c'est soit acheter aux États-Unis. La fin, pour qui ça veut dire pick-up ça yo? Bon deal spécial Panama qui fait. Bon, blab, passe nous dans le bêtise, mon cher. Mais c'est des bandes à tirer. Parce que quand bagay la donne, c'est la corruption totale, on bon, et le racisme systémique. C'est qui te met les nègres sans moun noir couler dans le pays d'Haïti depuis 26 mois. Qui te met les yo? C'est du racisme systémique. Comme si nous pas qu'à jouer nos gros tank yo, tank qui gè gros à manche long sous l'IA. Mon cher, vous avez dit, bon, moi je me crée avec vous. L'offre de mettre trois noms sous table là, ou monter nouveau premier ministre. La même premier ministre fin monté, li monte une unité spéciale de 3500 hommes qui gagne là dans 2500 policiers à 1000 soldats. Ou ba un entraînement de 21 jours. Prenez après entraînement ça, ou entraîne en banque centrale ou prend 80 millions de dollars américains. Que blanc vle, que blanc pas vle parce que pas gagne embargo sur Haïti des armes, gagne embargo sur les individus. L'état a commandé des armes. Ou monte Brésil ou bien ou à l'Israël, Afrique du Sud, Turquie, Corée du Sud. Bon, on va aller même en Afghanistan, là, c'est ZAM gros besoin. Les Américains qui ont 98 milliards de dollars américains, ZAM l'autre bois, n'est-ce pas qu'il y a un côté pour vendre ZAM, il y a l'autre bois. 98 milliards de dollars américains. ZAM gros besoin. Et puis, il y a l'offre, monte 3000, unité 3500 hommes, ça. Tout ZAM qu'il y a besoin, ou mettez Miskaden dans cette unité, ou dit Miskaden, tout côté qui a ça, à 400 gangs, mettez si au sou yo. Et même Jean Salvador. Salvador, il y a à peu près 4500 gangs, il y a à peu près 61 000 qui ont mis en bas. Nous-mêmes, dans la simulation que je fais, nous avons à peu près 2500 bras touillés, il y a à peu près 8 000 pour nous mettre en bas. Parce que c'est irrécupérable. 8 000 pour nous mettre en bas là, ou font prison spéciale pour eux dans le désert de la plaine de l'Ab, ou bien désert de Corridon en Ventoux. Et si vous pas résisté, dans la prison, ça, son prison, côté pas un signal téléphone. Très bien. Pas un internet. Yo pa ka communiquer à personne d'ailleurs. Faut prison tant qu'on dans zone la Gonave. On nettoyer pays à mon cher. Faut prison tant qu'on dans zone pointe raquette la Gonave. Ou bah non mon cher, pointe raquette c'est son petit côté pa ka gaspiller mon cher. Ou aller dans désert dans souge. Pour côté gien sel net à terre. Ouais. Y a des côtés qui pa ou pa ka fanyer dans zone ça et l'ont bâti prison. Et puis prison ça a bâti a pas gien accès à internet, pas gien accès à téléphone. Ou fait toute compagnie téléphone yo coupé à à téléphone pour prison ça. Mais yon va ka communiquer à deyon. Ou gen entre 5 et 8 000 ou va le mettre en prison. Et tout ça n'a pas dit là, évidemment, Jean-Claude Dylan Liclair, faut que nous gagnions 3 noms nous mettez sous table et puis pour nous choisir une la donne pour nous remplacer. Tout autant ne pas faire ça. Ou gen pour ça, ou doit faire ça. Très bien. Sou gen malé la riacho la, yon voye a riel aller et vous pa gen non sous table là, c'est oligat la kwal chita avec mon ambassade li bon lot a riel revu et corrigé. Aïe, 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 monsieur. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, maintenant, mets un article là pour auditeur qui veut garder li. Et li sous www.papillon24.com, papillon écrit P-A-P-I-Y-O-N en créole. Donc, c'est sous coup d'état carré comme non. Nous baillons des détails sous li. Et nous mettons des petites vidéos tout pour qu'on éclair là-dedans. Parce que nous-mêmes, avantage nous baillons, c'est que chaque fois qu'on bagay, nous baillons référence yo. Nous baillons, pardon, toute documentation en tant que jeune pour qu'on éclair. Vous carré comme nan coup d'état. Et c'est ça qui drôle là. Là. Yo nan pays là, à qui se veut parler avec la Valas et avec PHTK. C'est toi qui t'es chargé. Moi même gade, depuis nan réunion Jamaïque là, 87% moun ki invité nan réunion Jamaïque là, c'est moun qui crée gang kap maspiner peuple aujourd'hui. Ay dit que moun ki ont invité Jamaïque yo, 87% là dedans nan gang et nan touye président. Très bien. Ki kodo pral la moun sa yo. Donc ça veut dire que nèg CARICOM yo yo un agenda coup d'état gen trois courants dans CARICOM nan. Chaque courant gen coup d'état pa yo. Chaque courant gen c'est même je dans Washington là
ouais gen plusieurs blancs k'ap goumè ambassadeur blanc k'ap goumè men donc ou même sou pa wè clair nan tout ambassadeur blanc k'ap goumè a di ou bon sous secrétaire d'état pour région qui relé Brian Nicole l'on monte sous Twitter ou est Dan Foot qui t'envoie spécial président Biden ou est Jean l'ap goumè et sous Twitter l'ap goumè sous Twitter avec sous secrétaire d'état OK ou gen James Folion ancien ambassadeur américain li gen candidat pal a regarder ça l'écrit dans politico ou gen Palmela White qui t'a témoigné devant congrès ou ancien ambassadeur américain gardez ça l'était dit devant congrès faut que mette président de côté li gen tant gen premier ministre mais il pas ka li devant tout le monde ou gen Michel Sisson li même pour aujourd'hui li sous secrétaire d'état organisation internationale c'est lui même yo voye Kenya qui est qui travaille dans cabinet madame Lali ou gen Patrick Gaspard ancien ambassadeur américain monsieur son haïtien américain monsieur son ancien ambassadeur américain Afrique du Sud c'est lui qui était directeur politique dans Maison Blanche sous Obama OK ay dit que faut regarder tout monde ça regarder sur Twitter ça l'écrit sur Haïti où elle a pris dossier à tout monsieur lui même lui compte intervention Kenya dans pays d'Haïti comme haïtien américain qui était sous Obama ay dit qu'on paquet jouet lui et gagne l'autre nèg que nous va parler ou est secrétaire d'état défense là pour l'Amérique latine monsieur le Daniel Erickson monsieur son nèg qui collaborait à secteur privé pendant longtemps l'elle était dans Inter-American Dialogue dans Washington faut garder tout monde ça oui elle dit l'on prend Washington dans là pas bon courant non il y a 3 ou 4 courants sur Haïti chaque monde qui candidat pas oui chaque monde qui candidat pas ça ca té à bon ça ca té à riche tout nèg intéressé Tu vas lever bonnet, on va prendre courir et bientôt. On va prendre cour, on va prendre cour. Et 15 septembre 2022 alors qui est pour venir là avec nous connaît dans Washington qui pour gagner gros causé et à partir de 22 septembre alors dans New York voilà. Justement, ba nous petit bagage sur ça dans stand, comment ça organiser? Est-ce que Ariel a présent ou dit que li pour Ariel prendre la parole 22 septembre qui vient là dans New York. Bon, et il certain que là prend la parole. Dans réunion conseil de sécurité ça faut pas oublier que c'est américain qui va prendre présidence conseil de sécurité a et pour jeunes étudiants relations internationales en sciences politiques et grand pile lobby diplomatique qui fait pour que ça ait voulu passer à passer concourir il y a les en anglais gain give and take a indiqué gain des pays à négocier avec eux a fait ça à passer pour nous et puis n'a bon ça ben ça ou pas ouais sous table en bataille au fait il y a négocié. Donc, je vais le présenter probablement des bagailles dans la réunion 15 septembre. Non? Premier bagaille que je vais le présenter, c'est résolution pour y aller fourrer Kenya dans le Gorjou. OK. On Kenya a un gros problème dans le pays Congo qui va aider Congo. Pendant Kenya au Congo, il y a pire en bas Congo. Et puis Congo va faire un. Deuxième bagaille là, après résolution, c'est sûr que Negyo va venir des sanctions sont ces des mondes dans le pays d'Haïti. Jounen jodi a ou gen doit saisir pour que oligarque qui crée gang yo et qui mettait violence sous pays a pendant 5 ans qui sont passé a y a protégé yo pas dans liste moun qui ont sanctionné pas dans liste là du tout non ou va depuis 26 mois tout oligarque qui crée gang et qui participait dans tout le président 26 mois après yo vous sanctionné yo et c'est pour ça ndou trajectoire pour aller gen conflit entre les haïtiens qui pral frustré et blanc yo qui gon agenda qui pas dans intérêt pays d'Haïti surtout blanc qui fait partie des élites globalistes corrompio hey nous sommes peuple men nous pas dans rien dans nous les noue moun a monter sous nous j'ai a monter ça ça cap passer à Dwight Stanley et c'est ouais nèg yo fait tout ça blanc yo fait tout ça capable pour garder qui j'en pour yo craser résistance en dedans pays a oui mais puis résistance en la pirette et la pirette et la pirette la caille population depuis tout deuxième mois blanc qui tue président avec oligarque qui tue président n'ego te doit casser faire couvrir ça voir 26 mois après ni Jojo ni Martin coquer dans gorge résistance pirette bon là maintenant pendant dit madame Martine Moïse là et gien pile parole qui a parlé la stand delica gien dossier mettre Doval là que n'ego envie utiliser là et dans objectif pour que yo capable et persécuter madame Martine Moïse comment on bagaille ça même dossier ça que n'ego okay. Utiliser yo dit que dépression que n'ego fait sous juge pour juge ta sorti mandat contre madame Martine Moïse même yo te fait contre président Jovenel Moïse là bon bagaille
Gon ba en anglais ou le playbook. En politique. OK? Allez dit c'est technique, méthode et stratégie que moun nan toujours utiliser. OK? Ou songe Reginald Boulos te monté sur Twitter en 2019. Très bien. Il s'est dit que gardien et gouvernement qui l'a touillé un militant qui est le petit blanc tatou. Est-ce que après assassinat président Jovenel Moïse, nous pas tant des militants SDP qui a expliqué que c'est dirigeant SDP même qui touille le petit blanc tatou? Effectivement. Et pourtant, vous devez faut comprendre, c'est président Jovenel Moïse, faut qu'on juge pour ça. Monsieur. Nous attendons le président Jovenel Moïse, c'est là, Jean Negyote Monté, au doux, c'est président qui fait massacre la Saline. Là, au fin tout, il est président, ou pas tendez à Assad Volsi, et qui l'a interviewé, qui l'est Louis d'Or, qui dit que c'est SDP qui fait massacre la Saline. Donc, c'est même bagaille là. On garde le dossier d'Oval là. Qui pas compliqué. Son dossier qu'on a marré tout assassin en 3 semaines sans problème. Qui grand monde qui te menace de mettre d'Oval sur Twitter? C'est pas avocat Diabla? Avocat Diabla. C'est seul monde qui te menace de mettre d'Oval sur Twitter. Et sur groupe WhatsApp en plus, oui? Sur WhatsApp tout, oui? Sur WhatsApp et sur Twitter. Numéro 2. N'importe qui te capte d'émission là, monte sur Google. Marqué interview Montferrier d'Orval 28 août 2020 Radio Magique 9 Audio Now. Prends son temps d'interview à qui a besoin 46 ou 50 minutes. Yo coupe yo gen des mots yo gen temps couper là-dedans. Oui, gen des petits parties yo éditer là-dedans. Yo gen temps faire editing yo retirer là-dedans. Mhm. Regarder interview, yo prend nous pour égarer. Et de charger. L'autre de interview a ou est motif crime nan. Auditeur M. Doval son nègle la pour interview ou est son scientifique, son académique. C'est le savoir qui parle. Monsieur toujours calme. Pour corroborer ça m'a bien gardé interview qu'elle t'a fait avec Wendell Theodore. Ou est c'est le scientifique qui parle, le patriote qui parle. Justement. L'homme qui est au-dessus de sa mêlée, elle garde l'interview qu'elle fait dans le matin qui va le touiller là. Il fait une interview à sous Radio Magique 9, 28 août. Le matin, elle va le tirer là. Dans l'interview, elle va que, non seulement monsieur, elle va qui, pour qui ça va agresser, elle va qui est-ce qu'elle va agresser, elle va y moun qui va agresser la réponse. Qui c'est Dimitri Vob. Oui. Et, raison dans l'interview à Weke, oligarque fâché contre monsieur, et avocat diable a fâché contre monsieur, et parce que dans l'interview à monsieur dit, président Jovenel Moïse gen droit faire référendum sous constitution, même j'en si rapport de force là, vin en faveur opposition, li gen droit faire référendum dans tout. Oui, monsieur mettez l'au-dessus de tout bagaille. Président Jovenel Moïse ka faire référendum. Ya, ya, monsieur. Vous dites de pour parler de Jovenel. Les journalistes vin essayer acculer monsieur. Monsieur dit, je suis au-dessus de la mêlée. Et lui répétait même bagaille là. Président qui a fait référendum, non. Opposition qui a fait référendum, non. Fonction de rapport de force, yo. Sac sous pouvoir qui a fait référendum, non. Et puis, bon côté, les abaculés, monsieur, monsieur doit avocat quelqu'un, et client quelqu'un comme avocat, c'est qui ça, yo, il fait éditing là-dedans, non. Et client quelqu'un comme avocat, pas déterminé position politique qu'elle prend. On dit que client auditeur, Sojener, Dimitri Vaughan. Oligarque, pas permettre ou faire fréquent avec lui. Troisième élément qui est très important dans l'assassinat de M. Doval là, pour tout étudiant en sciences politiques et en sécurité nationale, ou qu'on est que les ou pas ciblé avec dit tuyon moun, premier bagaille qui vous fait reconnaissance. Pour y aller garder zone dans tuyon, vous fait reconnaissance. Les Américains ou pas tout yon, Osama Ben Laden. Libral touye al-Baghdadi, libral touye Kassim Soleimani, gen reconnaissance qui fait pour est-ce que Osama Ben Laden nan kay la vraiment? Combien moun ki nan zone nan? Ki meye façon pour faire opération, yo le ta reconnaissance audite. Ok. Etant donné que M. Doval fait fréquent avec oligak la, ki tire la nan matin à 8h,
pour yon gen tan touye l nan aswe. Ça veut dire que reconnaissance là te gen tan sou place là. Donc l'on vin fè analyse ça ou fè simulation ou apese comprendre ça qui passe à parce que pour ka joindre la vérité, faut faire ça ou les exercices de simulation. Très bien. Ou di ket. Qui l'est ou gen tan fè reconnaissance là? C'est l'est ou pral découvrir gon lien entre assassinat président Jovenel Moïse et mon Ferrier Doval. C'est qui moun nan zone nan qui te la kap veye Jovenel? Mette Doval rete nan même zone nan, c'est même moun nan kap veye Mette Doval tout. Très bien. Et laisse ou vin tombe sous Félix Badio Joseph, qui te nan zone nan depuis un an et demi. C'est kadou exactement qui est qui touye Doval et pour qui ça? Et il t'a fait reconnaissance dans zone nan. Il t'a veye Jovenel depuis au moins 2 ans, tout entre sorti la kaili. Et n'a yon servi avec Badio bien. Et puis dernier élément pour jouer un assassin Mette Doval, c'est la technologie. Justement. C'est la technologie. Elle dit que Facebook change non. Non Facebook, je vous dis, elle est Meta. Meta. C'est Meta qui propriétaire WhatsApp. Lorsqu'on téléphone ou observe via WhatsApp, même sur reset téléphone, on efface tout ça là-dedans. Tout sorte fait yo sous serveur WhatsApp là. Ni WhatsApp ni Instagram. Elle dit que depuis juge d'instruction écrit Meta, il dit mes numéro téléphone journaliste là, besoin ouais 2 semaines avant et 2 semaines après tout WhatsApp que le recevoir. Mes numéro téléphone avocat diable André Michel, besoin ouais tout WhatsApp qu'elle fait 3 mois avant et 3 mois après. Mais téléphone Dimitri Vob avec quelques autres moun encore qui nan giron nexay. Et puis l'on a regardé tout WhatsApp sa yo. Li bon 2-3 semaines pour marrer tout homme. Li bon 2-3 semaines pour marrer tout homme qui touye Doval. C'est même genre avec assassinat président Jovenel Moïse. Ouais, juge requise coquin pas jamais écrit Meta ni WhatsApp du tout. Pour mander et on ensemble de numéro téléphone qui dans rapport de CPJ voyez WhatsApp moun sa yo ban mwen tout WhatsApp que au fait de 2018 de janvier 2018 à janvier 2022. Ah mon cher, un de mois mari ça passe président. Aïe monsieur. En même temps on fait ou écrit WhatsApp ou dit que soldat Colombie qui tire président. Selon information que président Duque qui était là en Vambay, lui dit comme ça que soldat yo colombien va yo déplacer, yo te connaît que mission yo c'était pour aller tirer président. Son parti dans soldat yo était au courant et pas tout qui était au courant. OK. Mais soldat qui va tirer président, yo te connait pour WhatsApp selon intelligence militaire Colombie et direction nationale intelligence Colombie, côté yo t'a fait des échanges avant et pendant tirer président. Ou di WhatsApp voyez message tout soldat sa yo ban mwen pendant 4 ans qui sont passé a pour à qui est-ce que tu en contact aux États-Unis, à qui est-ce que tu en contact en Colombie, à qui est-ce que tu en contact Saint-Domingue et à qui est-ce que tu en contact en Haïti. Dès qu'on a moins de 2 mois et demi 3 mois ou marre tout assassin président men. Et puis tout oligarque que nous connaît ça nous connaît directement qui impliqué dans tout le président Réginald Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, parce que la justice te fait mandat pour yo depuis 9 juillet 2021, c'est Bedford Claude qui te fait mandat pour yo. Gen de 3 lot que nous connons yo, qui implique dans tout le président men parti, nous mande WhatsApp tout. Sorti 2018, rive 2021. Non seulement wap découvri participation dans tout le président, toute violence qui fait dans le pays pendant 4 ans et demi, et relation nèg sa yo a gang, wap jwenn tout. Wap jwenn tout. Dès qu'on nous met la peine dans le pays en 4 mois, men. Gen une analyse d'a faire ensemble avec population Stanley pour me permettre de comprendre et alors comportement juge là dans dossier qui ça lié et Stanley Lika on juge qu'a traité ton dossier qui c'est dossier assassinat président de la République. Stanley Mboko j'aime dans des côtés monsieur dit lui même a passé dans la rue même comme si gon poussière qui volait sur machine pas gagne à l'aise dans pays comme ça pas gagne sécurité pour mon bagage pas mon bagage pour qu'a comprendre bon ensemble d'action. Les assassins ou konnen gon juj sérieux sous dossier à garder comportement ou pouwe. Justement. les ou choisi juge Mathieu Chanlat, que nèg yo konnen qui pas corrompu, qui sont juges qui gen intégrité, pour ka konnen juge lan, pour pas prendre dossier à, yo tue greffier juge lan Yves Lafortune. Juge lan ouais, s'il prend dossier à la mouri, li retire kol. Ouais, juge ça, lui même,
tout à fait vin joindre ni cobli vin joindre tout à fait vin joindre. Et puis quand aucun be juge là comme juge requisé coquin, c'est là la ba information avec des orientations politiques sous dossier. Là vinn découvrir bagaille ça yo ou est clairement que c'est politique là fait contre destruction criminelle là très clair. L'enquête doit être secret. Comment fait que ou gen tan konnen qui est juge là Kralde et oh li gen tan di journaliste en France mais yo interviewé un tel qui bay des déclarations contradictoires par rapport à un tel, yo va faire confrontation de moun sa yo. De bon juge nan bagay sa et nan kwet kokin koye. Nan kwet kokin koye. Ou pa ka invite Ariel comme témoin. Pour toute information qui est disponible, ou ka invite le comme complice, comme co-auteur, comme auteur, pas comme témoin. Ou pa ka aller de Ariel, selon information qui sorti sur Haiti.info, à préparer réponse qu'il doit ba ou l'el vinian. Nan réunion secret, quoi al pa avec lui. Très bien. Donc, très bien. Neg yo, pour question originale kote pose a, nèg yo c'est pour raison ça aller au fin tuer président yo prend contrôle pouvoir judiciaire yo mette 6 malandrins dans CPJ 8 malandrins dans cour de cassation nommé un paquet de juge malandrin que président pouvoir judiciaire René Sylvestre refusé renouvellement d'ailleurs peut-être yo corrompu c'est tout juge d'instruction ça que nèg yo met en place et yo baille tout dossier important Jovenel Moïse La Saline Montferrier Doval pour est yo ka fait manipulation avec politique avec des dossiers judiciaires, où ça va pas passer. Très bien. Alors imaginons, nèg yo fin tiré président, yo tiré première dame nan, et puis yo voulez faire victime tout nèg bourreau, ça ta trop facile. Mais ça mis Stanley comme si pour nèg facile comme ça pour yo penser qu'a détruit. Mais nèg yo besoin détruire Martin à tout prix. Yo besoin assassiner première dame à tout prix Stanley, comme si nèg yo vient ça dans tête là. Là nèg yo fin tiré première dame nan. D'après ça, dit dans Port-au-Prince, le 7 juillet. Et puis, au final, après, ni pas mourir. Il y a des gens qui disent qu'ils ont voyé un commando à l'DL dans l'hôpital Pétionville. C'est okay. Pour ça, c'est important pour juger, si t'es un juge sérieux, pour garder vidéo de l'hôpital ça le 7 juillet pour voir qui est-ce qui t'es venu d'elle pour tuer. Ok, ok, ok. Pour y aller, fin faire opération à l'étranger. Lui retourner. Lui t'es loin nouveau caille. Pour te rester. Pour lui, étant donné que les nèg yo vin faire menace sous lui, Ariel vin faire menace pression sous lui, li met Ariel dehors. Le lendemain, nèg yo voye tirer Kaïli. OK, mais Kaïli ça s'est couru. Kaïli ça c'était dans zone vue Michel. M'pa konn ki côté il té loué Kaïli. Li obligé couru quitter Kaïli, c'est moun ka chercher faire là après. OK, OK. Pour lui aller lui vo cap. La lan Kaïli yo gagne au cap. Nèg yo voye tirer devant Kaïli tout. Même quand yo gagne trou du nord, yo fait esprit voye nèg a pété pété toute la journée devant Kaïla pour Kabonel. Aïe 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 monsieur. Et nèg yo raison principale qui fait yo Kabonel toute la journée, c'est pour cette la prendre un tribunal pénal international. Même ça t'est fait dans pays Liban, et au devin tout premier ministre Rafik Hariri, nèg yo gagne les prêt tribunal pénal international là. Parce que yo connaît que si un tribunal pénal international monté l'a bien autorité pour l'enquêter dans quatre juridictions qui impliquées dans le crime. Aux États-Unis, Colombie, Saint-Domingue et Haïti. Aïe, 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 monsieur. Mais, m'a bon menti, et existence Madame Martine Moïse, première dame de la République, li sont menaces pour assassin Jovenel Moïse. N'a-t-il prouvé que clairement, Stanley, Madame n'a son menace pour eux. Et là, ça qui est important, Stanley, que le peuple a dû comprendre. Chaque nèg qui allait dans cabinet d'instruction d'instruction devant juge ça depuis n'a sorti dans barrière dans porte là seulement premier nom mon cité c'était Martine Moïse c'est comme si Nadou non mais ou pas dans des samdou juge là commet des impairs d'après ça dit dans la rue a des monde qui l'a témoigné okay. Et des bagailles qu'il dit mon yo mon a répété dans la rue OK yes yeah, depuis les ça ouais juge là son juge requisé compromis qu'il y a c'est plusieurs et ou après marqué tout nèg yo non seulement yo gon tactique judiciaire yo gon tactique de communication. A édiqué nèg yo conseil de menace a fait sous des propriétaires de médias gen deux dossiers ou pas de discuter de intervention militaire avec dossier assassinat président. Par exemple. Et nèg yo premier ça yo fait, yo fait menace gang sous. Les menaces gang n'a pas marché. Nèg yo fait menace juge d'instruction sous. OK. Les menaces juge d'instruction pas marché. Nèg yo menace qui a metto sous liste sanction internationale. Par exemple, okay. Même qu'on est deux propriétaires de radio qui n'est yo, ce type de menace ça qui est fait sous deux propriétaires de radio ça.
Et pour ça, moi-même, m'a dit négio rien. Ouan, parce que m'connais sous qui menace négio rien. Négio pas invité m'nan émission. Bah, ça, ou pas qu'à discuter dans radio négio. Et si discuter, c'est passer légèrement sous yo. Ou bien, prend pause. Fait propriétaire de médias, prend pause qui en faveur intervention militaire dans le pays. Ok, ok. Toi, maintenant, gang, voyez mandat bidon à travers juge d'instruction, menacer propriétaire de médias, que y a mette yo sous liste de sanctions internationales. Oui, très bien. L'autre bagay m'a dit pour y payer encore. Pour le moment, je ne parle pas de la Stanley, je bon, j'ai information parce que tabac moins. Et nek Dimitri Vobio qui t'a préparé village Petit Bois la rue pour louer ensemble avec nek Kenya. Vous comprenez? Bon, depuis le gars des tweets que Dimitri Vob te fait en octobre et 2017, le président Jovenel Moïse te mette blanc, soldat blanc yo dehors. Et Dimitri Vob te dit que faut soldat blanc yo te rete pour ça Jovenel mette yo dehors. Blanc qui vient là, qui colère à qui est moun nan pays ya. Soldat blanc qui vient faire déjà tout si moun sous garçon et sous femme. Soldat blanc qui vient faire coup d'état contre Préval, qui te nan vend gang si te soleil zam. Et puis Dimitri Vob dou fòk yo te rete nan peyi a pou te ka kontinye fè kòb avèk yo. C'est le respectant, monsieur. Bah, le premier bénéficiaire, les gen soldats étrangers quand te nan peyi a, c'est oligarque. Oligarque, li clair. Parce que gran pile espace nan peyi a, ou comprenez? Peuple a toujours victime. L'État toujours victime. Très bien. L'autre bagage c'est pas oligarque là. Et l'autre bagage qui est important, pour nous des populations comprennent, pour moun kap kite peyi d'Haïti, que ce soit aller dans plusieurs programmes, pas gen problème, mais justement, c'est volume. Par exemple, regardez pour vous, majorité côté qui gagne plus terre dans Port-au-Prince, sont équipe oligarque qui clôture au Stanley. Ou tendez au dossier terre. Et puis comme Simdadou, et vous savez toujours mettez directeur contribution pour voler tel état. Justement directeur de GI. C'est pas qui grave, oui monsieur. Bagay yo en pile dans pays à Stanley. Bagay yo en pile lui mettre là. Et ben j'aime vous ça, pas commencer là. Vous pas gagne courage, vous pas gagne conviction, ou son monde qui paie, ou pas kagoumé contre pour peuple ça et pour pays là, non? Ou pas capable, non? Sous son garçon, ou bien ou son femme, ou pas gen conviction, ou pas gen courage, ou paix, ou pas kagoumè pour peuple là et pour pays là. Et vous savez, yo tire Jovenel. Jovenel ton patriote. Jovenel pas de paix, et le tap goumè pour peuple là et pour pays là, et vous savez, tire. Malheureusement, peuple là. Le message de vous est ben nous tous, nous pas doué choisir moun kon sa encore pour nous mettre dans tête l'État. Oui. Et mais ça est au voyer ban nous. C'est dirigeant en quoi. Et nous même raison qui fait n'a parler dans radio nous là n'a goumé, nous dit message ça nèg yo mettre kembe dans l'estomac. Nous fait commencer goumé pour pays nous. Aïe, c'est grave. Stanley Lucas dernier point. Pour la chou pas goumé non mais. Ou pas capable dernier point pour nous finir Stanley Lucas et bataille que alors population qui ouais que justement qui qualité de travail que président Jovenel Moïse t'a fait pour yo souvient massacre en pleine Maribao et ben justement peuple a senti en difficulté il perdu plusieurs records d'irili et ben peuple a décidé quelques mètres qui étaient arrêtés pour de faire déboucher pour de l'eau atterrir dans canal là peuple a choisi déboucher yo même personnellement après toute demande qui ont fait bon côté et représentant et travaux publics dans département et l'autre bord pour que yo te joindre matériel là les cage Akitoa et me confirmer et Sanle me confirmer matériel la cage Akitoa les Jacquito à l'autre bois. Jacquito dit le pape baili et faut que c'est l'État qui vous baille et l'autre pour ça. Mais la population choisit de faire déboucher. Stanley, à part moi, ministre affaires étrangères dominicain, autorité dominicaine et que gouvernement haïtien et même et représentant Ariel qui a répondu qu'il ne pas reconnaître les travaux qui fait l'autre bois. Ou même auditeur capitaine de par rapport à la question que Beto pose là, l'important pour comprendre configuration. Force politique à force économique qui sous zile a. Sou pa comprenne ni, ou pap kagoumè pou défendre l'intérêt ou. Allié oligarque Pétionville, c'est oligarque dominicain. Ave di ke, Louis Abinader, qui sont Libanais dominicain, li marié avec Libanais haïtien yo, boulot sa vob, pour yon mette pied sous coup pays d'Haïti. Au niveau économique, nous importer, ça veut dire nous voyons acheter Saint-Domingue pour plus de 2 milliards de dollars américains par année. Ou même Captain de là, depuis notre classe de 10e, moi m'apprends ça dans l'école Saint-Jean l'Évangéliste. Merci à Maître Valentin et Maître Métellus. Nous avons 8 ans.
l'aime ta prendre première notion économique moi yo dou économie on pays a marché c'est les sont exporté égal ou bien supérieur à son importé. Nous même en tant que pays n'a voye acheter tout dans Saint-Domingue mais nous pas vendre Saint-Domingue rien nous acheter pour 2 milliards de dollars américains la caille. Qui moun ka l'acheter caille dominicain c'est oligarque Pétionville là qui gagne tout monopole commercial et bancaire. Donc oligarque Pétionville, m'a dit bourgeois, mais m'a un problème à bourgeois haïtien, il y a problème à oligarque. Très bien. Bourgeois son moun ka créer travail dans pays là, son moun ka créer ka payer taxe dans pays là, son moun qui besoin pays à marcher bien pour ka vivre bien tout dans pays là. Pas un problème à bourgeois. Il y a un problème avec oligarque qui pas bourgeois. Très bien. Donc oligarque là lui-même c'est lui qui représente intérêt dominicain dans pays d'Haïti. OK. C'est oligarque là qui participer avec dominicain, blanc américain, colombien et politicien haïtien dans tout le président Jovenel parce qu'elle t'a crasé tout monopole yo. Et en même temps tout dans projet que président Jovenel Moïse te gen pour Nord-Est là, l'état louvron canal sous rivière Massac qui t'a pral louser terre dans trois départements géographiques. Nord-Est, Nord et le Nord-Ouest. Même bon petit bout de plateau central là, ça vient on tire l'océan dans de l'eau. OK. Donc je veux dire, le président Jovenel Moïse te fait, nous te garder traité qui existait à l'époque là, traité de paix et de partage des ressources entre les deux pays qui datait de 1929. 1929 justement. Et le président Jovenel a regardé dans l'analyse qu'il te fait ministère agriculture et affaires étrangères fait pour lui. Nous venons découvrir que Dominicain sous rivière Massac, il y a 11 prises, nous-mêmes, nous pas de prises du tout. Il y a 11 prises, justement. Et l'autre côté, bah, qui pirate, côté nous prend prise, nous, côté paysan, il y a l'ouvri prise que le président a commencé à faire. C'est sous territoire, nous, qui est lié, pas sous territoire dominicain. Avec dit prise, là, nous fait sous un, sous le territoire d'un État souverain, il y a rien pour venir commenter sous lui. Fréquentité. Les Dominicains, même gens, nous pas qu'à commenter sur ce qu'il y a sur le territoire Payo, nous pas qu'à venir commenter sur le territoire Panou. Côté nous prendre l'eau, c'est le territoire national de la République d'Haïti. Donc, si vous avez qui vous violez, traité assez vous même à 11 prisons, nous même sommes graines que nous prenons. Donc, je vous dis, le président Jovenel Moïse, nègre fin assassiné, oligarque font alliance pour. Comme c'est au même qui met Ariel, je dis Ariel, fais mes projets ça qui n'a intérêt peuple là. Même dans les fin touyer président Jovenel Moïse, yo campé tout projet courant, yo campé tout projet route, yo campé tout projet de l'eau, yo campé tout projet qui bon pour peuple là. Et n'a décidé vendre matériel que président achète encore pour l'État haïtien, qui matériel là bon, matériel. Ça pas grave oui. Ça est pas vrai. Matériel là est pas vrai, son nèg qui ba on faux nouvelle. Okay, et matériel okay. Là est pas vrai. Et même l'aimte ouel tout nouveau en vraiment mal commenter sous l'im dedans Dion Monal vérifier pas gain matériel vraiment mais matériel qui gagne yo ça nèg y a fait y a volé yo pièce par pièce qui important là-dedans yo y a été volé yo pour y a revendre yo et pas matériel là même non que yo volé okay. Pièce qui là-dedans yo qui vaut plus cob yo yo kon ki sa pièce yo y a retiré pièce yo dans matériel là pour vendre pièce yo pour le mettre dans bagage pa yo. On est des matériels qui vendent 200, 250 000, 300 000 dollars. Et très bien. Et l'autre donc, bagaille. Il y a des pièces en de matériel là. Un grain de pièce vaut 6, 7 000 dollars américains. Nèg la retire pièce ça pour la vendre. Matériel ça tout gaspillé. Voilà. Et l'autre information que et nous avons. Et vous au niveau méchanceté, nèg. Niveau méchanceté, évidemment. L'autre bagaille, c'est Stanley Lucas qui cause. Alors, en pile, mon Nord-Ouest et Nord-Est, commencez par les délits tout. Il y a des oligarques, effectivement, qui. Alors, nan... excusez-moi, Beto. Mm-hmm. Pour me battre bravo pour paysan. Romari Baro, travaille avec Zouti nan men yo, et Pik ki nan men yo, Pel ki nan men yo, yo continue projet à que président a fait. Bravo, pour nous battre bravo pour paysan Romari Baro, sans aide l'État yo réussi fait projet à marcher ou joindre gloire. Bravo, paysan. Moun yon gen conviction. Et ou kon sa ki pi grave, Stanley, moi même abdi ou sa très bien, c'est de baye que m'konne. Est-ce qu'on connaît des oligarques qui n'ont ça relé dans investi dans production agricole dominicaine? Ça veut dire dans l'agriculture dominicaine. Des oligarques ici. Absolument. C'est pas seulement dans l'agriculture. Faut pas oublier que les Préval c'est là, Préval c'est fait et Banque nationale de crédit,
bail Dimitri Vop 30 millions de dollars américains pour acheter des moteurs pour mettre dans varre bien l'état. Qui ça Dimitri Vop te fait? Président Jovenel Moïse te dit ça dans un discours. Nous si acheter des moteurs deuxième main pour 10 millions de dollars américains, reste 20 millions l'état te balia, là l'investir pour monter usine Saint-Domingue. Pour y aller préval parler encore. Et puis président Banque Languito Toussaint vient demander nèg yo côté cob l'état. Yo fusé président Banque Languito Toussaint. Wow. Nèg yo pas pour y a pied gros moun dans l'état non. Robert Marcelo nèg yo te vle Robert Marcelo font 80 millions raquettes avec yo nan achat matériel lou l'état monsieur pas blé au fusé monsieur. Et tuer vous ça. Guito Toussaint au fusé monsieur. Venel Joseph ancien gouverneur Banque Centrale qui t'a pral témoigner devant la justice Florida au fusé monsieur. Tu tuer lui. Oh oh. Bah ça. Yo tuer René Préval. Le Préval vient demander pour qu'on parle dans courant. Tu tuer monsieur. Nèg yo empoisonné monsieur et bien acheter autopsie pour 3 millions. Ouais qui député a une nouvelle fois pour qui député. Yo t'ai interviewé pour assassinat président Préval là. Non le cité tout dans tout président Jovenel Moïse. Tu dis ça. Qui pas pitié. Hein. Bon, Beto, pour me féliciter courage. Non, moment, côté nèg a fait gros pression sur radio traditionnelle, yo, Port-au-Prince. Nèg yo fait menace gang, menace voye mandat ba yo, menace mette propriété radio sous sanction et internationale. Donc, gen de nèg qui lâche, qui paie et qui baisse tête. Donc nous-mêmes nous pas capable de cette goumé on doit continuer. N'a continuer. Et c'est 12 commencer. Millions monde que nous doit sauver là et puis 4 millions monde qui dans diaspora a besoin tourner la caillou à respirer. Yo bouquet qui travaille par caï blanc, moment de retraite yo rivé, gen monde qui besoin faire petit vacances yo, aloué famille yo pas capable descendre. Yo pas capable descendre. Donc je veux dire faut casser machine infernale ça qui là. Donc pour casser, faut mettre 3 noms monde qui ca premier ministre sous table là. Les nous fin joindre trois moun sa yo gardez qui est là dedans qui a fait plus bon premier ministre là qui pas impliqué dans gang dans tout président et puis pour nous nettoyer pays nous pour tout haïtien qui a respiré pour redémarrer pays et sa bataille là oui men très bien Kevin la Stanley merci en pile bon Dieu ben nous men au bagage très bien voilà ensemble avec nous c'était Stanley Lika depuis dans capitale politique mondiale là qui c'est Washington DC nous t'a fait parler et analyser plusieurs points partager des informations ensemble avec nous dans l'académie Sosak frère haïtien m'a campé là ensemble avec nous et m'a dit nous merci et pour support nous merci parce que nous toujours fait effort pour que nous t'entendez partager émission ça avec toutes amis toute famille pour nous faciliter plus monde et effectivement et capable et joindre émission ça Kembe la balague c'est un plaisir pour nous ensemble avec nous que bon Dieu bénisse nous.